aura commencé. Le 1er mai 2004, 10 pays rejoindront l'Union européenne. Les animateurs de l'ADE sont allés à la rencontre des jeunes des nouveaux pays adhérents. Quelles sont leurs préoccupations, leurs envies, leurs goûts? Comment vit-on à Tallinn, Vilnius ou Bruxelles? Tel un jeu de piste, part à la découverte des différents styles de vie. Première émission d'une série de 10 numéros, Europe 10 points en Estonie avec Cathy, samedi sur la 2. Salut les lardons! Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. J'ai encore des tas de blabatoscopes d'enfer dans ma blabatique. Et en plus de ça, il y a tous nos amis qui nous rendent visite. Louis tout petit. Là. Bonjour Blabla. Monsieur Virgule. Ah. Mamie Nelly. Gamin. Oui, pour disque dur. Non, pas Wilbur disque dur. Circule, y'a rien à voir. Allez. A plus. Rendez-vous avec Blabla à 17h15 sur la 2. Deux événements sportifs à suivre en direct. Samedi, le Grand Prix de l'E3. L'occasion pour les coureurs de tester leur capacité une semaine avant le Tour des Flandres. Dimanche, la Flèche Brabançonne offre la revanche. Et grande première cette année, le départ sera donné à Zaventem. Samedi à 14h45, le Grand Prix de l'E3. Et dimanche à 15h, la Flèche Brabançonne en direct sur la 2. Fuyant à 20 ans l'Allemagne nazie, Clemens Kalischer débarque à New York en 1942. Avec son premier appareil qu'il ne quittera plus, il photographie l'Amérique et ceux qui, comme lui, ont choisi d'y vivre. Clemens Kalischer, le flux du quotidien, au musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 6 juin. Au lendemain du Grand Prix de l'E3, la Flèche Brabançonne permet aux cyclistes de prendre leur revanche. Connu pour son itinéraire alternant les côtes et les plats, cette course d'un jour commentée par Rodrigo Menkens sera diffusée en direct sur la 2 ce dimanche après-midi. Bon programme télé avec Win for Life, un jeu à gratter de la Loterie Nationale. Les VW Spring Sessions, de mars à juin. Le festival de vos plus beaux concerts. Avec entre autres Cesaria Evora, Cana, les Gypsy Kings. Info vwspringsessions.be. De la Loterie Nationale. Une solide couche de suspense. Centre de l'Habitat. Cette année, le Centre de l'Habitat agrandit encore sa salle d'exposition. Avant mes travaux, tout doit partir. Meubles d'ébénisterie, chambre, cuisine équipée, literie, salon haut de gamme, tous mes prix sont écrasés. Il faut absolument venir me voir. Le chemin des bonnes affaires, c'est le Centre de l'Habitat. E42, sortie 14, Sambreville. Centre de l'Habitat. Kidibou, le bâtonnet au fromage blanc avec du lait qui favorise la croissance. Kidibou était plus fort. Il y a une grande différence entre Joe et Bob. Les parents de Joe ont choisi Télé 2 et payent seulement 2,4 cents la minute en national. Ceux de Bob sont toujours chez Belgacom et payent 5,1 cents, soit plus du double. Vous ne pouvez pas changer d'enfant. Alors, changez d'opérateur. Appelez Télé 2 au 0800 15 505. Télé 2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher? Bon programme télé avec Win for Life. Un jeu à gratter de la Loterie Nationale.
Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous découvrez l'église d'Arlbeek. C'est juste, mais vraiment pile en face de cette église, qui est jugée la ligne d'arrivée, et donc que sont aussi situées les positions de commentateurs dans les cabines dans lesquelles nous nous trouvons avec Gérard Bunetz. Bonjour Gérard. Bonjour Rodrigo. Interdit de faire des commentaires pour le moment le mercredi parce que vous gagnez, donc comme vous ne gagnez pas le samedi, vous êtes tout à fait neutre. Je plaisante évidemment, mais je salue encore une fois la magnifique victoire de Ludovic Capel, le premier Wallon à gagner à travers les Flandres. C'était mercredi, 47e édition du Grand Prix de l'E3. L'E3, c'est le nom d'autoroute, si vous ne le savez pas, à Arlbeek. Départ à Arlbeek, arrivée à Arlbeek. On démarre de l'autre côté. Les coureurs arrivent de l'autre côté de l'église, pas en ballon, en voiture, à vélo. Et regardez donc le parcours. C'est un peu, puisque c'est à la mode avec Claude François, hein, ça s'en va et ça revient. Hein. Donc, on s'en va. Et surtout le retour, à partir d'ici, après Gramont, on va chercher les bosses. Il y en a 11. Mais regardez comme c'est ramassé. Et puis on tourne tout le temps. Donc le vent, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais le vent peut avoir un rôle très important dans ce genre de course. La dernière côte de Tickenberg, ou le Vossenhol, et l'arrivée finale. Plus question de circuits locaux comme ce fut le cas jadis. L'arrivée ici. Voilà cette ligne. Le premier homme qui franchira cette ligne gagnera cette course. Voilà les derniers vainqueurs. Course à laquelle les Belges n'ont pas toujours réussi à s'imposer, dans laquelle ils n'ont pas toujours réussi à s'imposer. Vous voyez depuis 1984 les résultats. Johan Musset déjà lauréat ici en 1992. Et puis on a eu toute une belle série avec Schmid, Leysen, Bowman, Van Dijk, Musset, Van Petegem. Et ces dernières années, eh bien, on a notamment vu Pierry et De Jong s'imposer ici à Arlbeek. Alors tout le monde est bien d'accord pour dire, alors que vous voyez que la Belgique, au niveau des victoires, est évidemment la nation qui domine très nettement pour le moment. Il y a eu une victoire russe, comme vous pouvez le constater. C'est la répétition idéale pour le Tour des Flandres. Alors, est-ce que c'est juste, Gérard Bullens, de dire que, bien sûr, il y a moins de côtes qu'au Tour des Flandres, mais tout le monde dit que c'est un petit Tour des Flandres, c'est le Tour des Flandres en 200 km aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de côtes qui sont semblables, qui seront franchies aussi au cours du Tour des Flandres. Et ça permet une semaine avant ce Tour des Flandres de jauger les adversaires, de jauger ses propres capacités aussi. Point de repère, exactement. Et de voir ce qu'il faut encore faire pendant la prochaine semaine, c'est-à-dire pendant les 3 jours de la panne, pour arriver vraiment affûté au départ du round. Voilà, et davantage encore aujourd'hui que demain dans la Flèche Bromançonne, que ce que vous pouvez aussi suivre en direct sur la 2. Frère, le vainqueur de Milan-San Remo, vous avez vu avant cela Bartoli, De Jong, le vainqueur l'année dernière, Wouters, beaucoup, tout des cours d'équipe Rabobank, hein. Une équipe très solide qui vient ici pour Wouters, et c'est l'expérience pour Frère, comme d'ailleurs pour Bogert, c'est plutôt un repérage, vraiment un apprentissage, même on pourrait dire pour les joueurs. Avec Kirsipou, que vous venez de voir, c'était Bortolami, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres avant lui, Kirsipou, deuxième mercredi la Flandre. Vous reconnaissez ici le grand, l'immense, l'énorme Magnus Backstedt de l'équipe Alessio, qui habite, on peut le rappeler, en Flandre, à Zult, c'est tout près de Waregem, donc c'est un peu régional. Weinsteins, l'ancien champion du monde en 2000, c'était à Plouay. Et puis voilà Bogert qui s'alignera avec le numéro 2 aujourd'hui, Michael Bogert. Deux fois vainqueur de la Flèche Brabançonne, la course de demain. Bettini, vainqueur de Tirreno Adriatico cette année. Le seul homme qui est parvenu à tenter quelque chose dans le Poggio. Bettini qui est très bien, qui nous a dit ce matin, il me l'a dit, je me sens à la fois physiquement et psychologiquement mieux qu'il y a un an à la même époque. C'est important à signaler. Vous découvrez ici aussi Wim de Vocht, un néo-professionnel très bon mercredi dernier à Waregem dans la bonne offensive. Ça, c'est un tout grand espoir dans notre cyclisme. Grand par la taille, mais grand par le talent. Johan van Sumeren, médaillé d'argent, donc vice-champion du monde espoir l'année dernière. C'est un sacré personne. Jürgen van der Waal, qui revient très bien. C'est une des révélations de début de saison. Il y a eu un petit jour de 3 par année, sinon il est rentré dans le top 14. C'est une belle référence et il est souvent présent. Celui-ci, inutile de vous le représenter, Peter van Petegem, 10e de Milan-San Remo, qui a déjà gagné cette course. Omloop, et oui, son maillot lui donne des ailes, parce que depuis le début de la saison, il est dans tous les bons coups. Vainqueur, notamment, dimanche dernier, du Grand Prix Rudi Danens. Vous savez, gagner une étape, gagner une course, qui puisse être dans son pays avec ce maillot-là, c'est quelque chose. Il a quelques équipiers solides, c'est le cas de Jo Plankaert,
qui n'a pas trop le moral pour le moment. Johan Museu, c'est, ben on va le dire chaque fois, à chaque course d'ici le Grand Prix de l'Escaut, c'est sa dernière, ici à Arlebeek. Deux fois lauréat de l'épreuve, en 98, même trois fois, parce qu'il a même gagné chez les amateurs en 87. Voilà pour Musée. Bonnen qui monte en puissance, qui est sans doute un des hommes les plus en forme en ce moment. On l'a vu notamment dans des difficultés comme le vieux Guarmont. C'est quelque chose. Avec Van Bont qu'on est content de revoir. Il n'a pas eu de nouveau beaucoup de chance depuis le début de la saison, alors qu'il il roulait remarquablement bien. Pour rappeler que Van Bont fut deuxième du Grand Prix de l'E3 il y a de cela 4 ans et le lauréat de Wargame l'année dernière, mercredi dernier, Ludovic Capel. Grand animateur de Milan-San Remo, Ludo Dirksens a retrouvé son coup de pédale et aujourd'hui pour lui c'est important. Ce sera très important parce qu'il va devoir nous démontrer qu'il est prêt et confirmer sa course remarquable, sa primavera de samedi dernier dans la perspective du Tour des Flandres. Léon Van Bonn, vainqueur d'étape sur Paris-Nice avec l'Allemand Ziegler. Ils avaient fait une très longue échappée de près de 200 km. Il est en forme aussi. Dave Roelands, mais oui, plutôt que attaquer cinq fois et on voudrait qu'il en attaque une, qu'il attaque une seule fois et que ça porte ses fruits, mais il a le moral, il a d'excellentes sensations, 10e du Tour des Flandres l'année dernière et 4e de la course de Wargame. De Volder, et ça c'était le grand bonhomme de l'année dernière, ils étaient arrivés à 3, ils étaient classés 3e, devancé par De Jong, mais De Volder porte maintenant le maillot d'équipe US Postal, et son leader, ou son co-leader peut-être, cet homme, Max Van Nesweyck, 5e de Milan-San Remo, déjà 5 victoires cette saison. Il faut savoir qu'Incapi n'est pas là aujourd'hui. Esjedal, et oui, c'est un Canadien, néo-professionnel, et vice-champion du monde de vélo tout-terrain à Lugano en 2003, notamment derrière Merag. Il espère avoir d'ailleurs de l'or à Athènes. On en arrive à McEwen. Voilà McEwen qui voudrait disputer le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, mais entre ce que lui veut et ce que sa direction veut, pour le moment, il y a une petite nuance. Hein. Le champion d'Australie, c'est Matthew Wilson, et une très solide équipe T-Mobile, avec cet homme Weiseman, trois fois deuxième ici à Arlebeek. Ça ne s'invente pas, mais il a perdu 8 kilos en quelques semaines. C'était un petit bonhomme Michelin, c'est pas moi qui l'ai dit. Comme Pierry d'ailleurs, qu'on avait vu au Qatar, avec certainement aussi 10 kilos de plus. Mais Pierry, il a déjà gagné ici ses courses. C'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et il nous l'a dit ce matin aussi, je dois être bien aujourd'hui. 175 partants. 23. Vous voyez les cabines là-haut à gauche, eh bien, c'est dans ces espèces de petites boîtes que nous nous trouvons pour le moment et tout au long de ces retransmissions en direct. Donc 175 coureurs qui sont partis, 23 équipes, 200 kilomètres très exactement et 11 côtes. Les coureurs viennent de franchir la première, la côte de la Houppe. Je peux déjà vous dire qu'à ce stade-ci de la course, ça va très vite. On est à une moyenne horaire de 42,9, donc autant dire 43 km/h. Il y a eu 5 abandons. Belovocci, qui n'était déjà pas bien à Wargame, le coureur de l'équipe Chocolat Jacques. Agnoluto, le français. Le brésilien Pagliarini. Le français Renier. Et l'espagnol Florencio. Il n'y a plus un seul espagnol. L'équipe Relax Bodysol, en effet. Le point de la situation, un homme là qui va être repris d'ailleurs par le peloton, c'est Nico Ricaut, qui aime bien ce genre de course de 200 km et aime bien partir. Mais le peloton revient. Et nous sommes dans le Bergsteine, la deuxième difficulté de ce Grand Prix de l'Étroit. Ecout qui est repris par le peloton. Voici les caractéristiques de cette difficulté. Et donc une course qui est partie très vite et qui est très facile à résumer. Il y a eu, à part les 5 coureurs qui ont abandonné, dont je viens de vous donner les noms, et la moyenne très rapide, eh bien on a eu une échappée de 12 coureurs d'entrée. Je vous donne rapidement leurs noms. Il y avait d'ailleurs des coureurs de pratiquement toutes les grandes équipes. Boven, équipier de Bogert et de Freire. Il y avait Van Velzen de Chocolat Jacques. Trouvé, Ludovic, équipier de Pierry. Bergès, équipier de Kirsipou. Casper, il y avait aussi Virauten pour les lotos. Kretzkens pour l'équipe Quickstep. Il y avait Hazel de la Française des Jeux avec son équipier Mangin, ainsi que le néo-professionnel Dox et l'Allemand Schreck. Et puis on a eu aussi une tentative de 2 coureurs, à savoir Mark Strehl, qui va être papa dans les heures qui viennent, on peut dire ça comme ça? Oui, je pense, dans les heures ou dans les jours qui viennent. Mais je crois que vous allez dire dans les minutes. J'espère pas pour lui en tout cas. Donc Mark Strehl avec son ancien équipier, parti dans l'équipe Vlaanderen, Van Speybroek, qui pendant quelques kilomètres ont essayé de sortir. Oui, certains dans l'entourage disaient que Marc voulait que la course aille plus vite pour être rentré plus vite à la maison. C'est possible. Oui, mais ça, ce sont les mauvaises langues dans le milieu du vélo. Et il y en a très peu. Très, très peu. Effectivement. On a donc avec un peloton groupé, donc la course commence maintenant. Ça arrive souvent aussi, mais on l'a vu sur l'image initiale, Gérard, les difficultés sont vraiment regroupées. Et on peut dire en 70 km qu'on a à peu près 10 bosses. Hein. Tout
à fait, oui, je pense qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, il y a l'aspect de la structure du parcours qui amène les coureurs à, s'il n'y a pas d'échappée, essayer d'en découdre maintenant sur les bosses. Et je pense qu'il y a quelques petites différences, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, qui amènent la course à être plus disputée, je pense, et moins de notamment chances l'absence d'avoir de un sprint massif. Notamment aussi, la disparition du monde enclus. Hein. Du monde enclus, effectivement. Et puis, il y a aussi l'apparition des caméras de la télévision qui vont sans doute exciter un petit peu les coureurs et qui vont faire démarrer la course. Alors, à ce propos-là, on voit le grand Magnus Backstedt, qui est une force de la nature. On a vu Sunderland, qui revient de loin presque à chaque fois. On voit beaucoup aussi, depuis le début de la saison dans ce genre de course, le maillot de champion de Grande-Bretagne de Hammond, ancien champion du monde de cyclocross, qui est très souvent là. Le grand Jürgen van der Waal aussi, qui vient souvent se placer. Et on voit déjà qu'il y a un rôle... Est-ce qu'on peut définir ça comme un rôle? Bettini est aussi à l'avant-poste. Déjà, Kirsipuu est là aussi au centre. Bonnen est sur la gauche. Donc vraiment, ce sont déjà les grands noms. Il y a déjà l'importance d'être bien placé maintenant. Pourquoi? Parce que la prochaine difficulté, c'est on va vraiment enchaîner avec les pavés de Warent, le Bonneberg, Leikenberg, toute une série de difficultés. Donc il est important maintenant de faire la course en tête plus que jamais. Bien sûr, étant entendu que s'il y a des problèmes techniques, des ennuis mécaniques, des chutes à l'arrière du peloton, on est automatiquement bloqué sur ces petites routes flamandes, tandis que le groupe qui est devant va pouvoir continuer sa route normalement. On a vu aussi la grande carcasse de Zanini, maillot bleu et blanc, dans la roue du coureur de l'équipe Chocolat Jacques. Beaucoup de maillots aussi Rabobank qui remontent. Et vous voyez, ce sont ces virages incessants, souvent des routes en entonnoir, hein, où il convient évidemment parfois de relancer, de repartir presque à l'arrêt. Et c'est un petit peu... Regardez, il y a des coureurs en difficulté, là, juste dans le virage à la corde. Et nous sommes donc sur le secteur pavé de Sainte-Marie au Rebec Sainte-Marie, donc... Et avec Zanini qui est là en protection rapprochée de Bettini. Déjà devant, Sunderland en troisième position avec le casque rouge et blanc pour l'équipe Alassio. Et alors important aussi, on le voit à l'avant-poste, Freire qui vient, qui lui, au même titre que Bogert, doit trouver ses marques dans une course qui convient sans doute aux caractéristiques de ces deux coureurs. Mais il leur manque un élément capital, c'est la connaissance du parcours. Oui, l'expérience sur des routes comme celle-ci est particulièrement importante. Mais il faut dire aussi que ce Freire a des qualités supérieures et qu'il est capable de se défendre sur n'importe quel parcours. On nous annonce une crevaison roue avant de Van Ift, Paul Van Ift. On avait aussi eu dans la première difficulté quelques coureurs lâchés. Dès le début, c'était le cas notamment du français Pergès qui était dans l'échappée initiale des 12 coureurs. 69 km de l'arrivée, le rythme sensiblement plus élevé encore. Je rappelle que la moyenne est de 43 km à l'heure, donc c'est une moyenne très rapide, mais c'est un élément essentiel aussi aujourd'hui. Les conditions atmosphériques sont, j'ai presque envie de dire, idéales pour la pratique du vélo. Il ne fait certainement pas trop chaud, mais il y a un beau soleil et surtout le vent est très faible aujourd'hui. Oui, les routes sont sèches en plus, donc je pense que les conditions sont vraiment idéales pour avoir une belle finale. Alors qu'on découvre ici en difficulté Wim van Nuffel qui a fait un très bonne course à Waregem, il était dans la contre-attaque avec le bon groupe, je dirais, le groupe des Bonnen, des Museu, qui avaient tenté de revenir sur le groupe initialement échappé. On découvre aussi un maillot particulier qu'on était habitué à voir avec Weinstein. Je sais pas, vous voyez, en haut à droite de l'image, c'est le champion de Lettonie désormais, Naudus, qui évolue dans l'équipe Domina Vacanze, qui est en fait l'équipe de Mario Cipollini, mais Cipollini n'est pas présent ici. Et on a eu une image assez traditionnelle de ces courses flamandes où la difficulté, c'est-à-dire le tronçon pavé étant passé, le peloton se reforme, l'allure diminue, et ce qui signifie qu'on se bagarre vraiment pour entrer dans la portion difficile de route. Et vous voyez que le peloton, encore étiré maintenant, va petit à petit se reformer d'une façon beaucoup plus compacte. Ça veut dire qu'il faut consentir à pas mal d'efforts pour arriver à se créer un petit passage en tête du groupe pour chaque difficulté. C'est un peu le sprint qu'on a vu tout à l'heure avec Hammond, avec Derricksen et d'autres qui tentaient de venir prendre à l'avant ce tronçon pavé.
Alors je vois encore l'équipe Télécom en tête du peloton. C'est une des, je vais pas dire des énigmes, mais une des interrogations. Faut savoir que la plupart des coureurs qui sont ici présents, à part notamment Bettini, les Italiens de l'équipe Quick-Step, la plupart ont disputé la course de Wargame déjà, avec certaines des côtes qui vont être abordées maintenant, l'ont été également mercredi. Et donc les coureurs ont un peu pu se juger une première fois. Mais il n'y avait pas de coureurs de l'équipe T-Mobile, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Et d'un point de vue collectif, cette équipe est quand même très impressionnante, hein, Gérard. On a parlé de Weizmann trois fois deuxième, mais il y a Mario Hartz, Rolf Aldag, Sergei Ivanov, l'ancien vainqueur ici, n'oublions pas, Andreas Klier, vainqueur de Grand Wevel Game, Nardello, ça fait quand même une sacrée formation. Alors qu'on a un petit problème pour De Meyer ici, avec un coureur de l'équipe US Postal également. Je crois que c'est un... Je ne sais pas si c'est Cruz. En tout cas ici, c'est Geoffrey De Meyer. Un plus mauvais moment, je dirais, hein, chaque fois au pied d'une bosse, en l'occurrence ici le Bogneberg. Oui, ce n'est pas un bon moment, mais il va avoir effectivement l'avantage que les voitures vont passer maintenant et que le peloton en tête ne roule pas trop. Donc s'il ne s'est pas blessé, je pense qu'il va rentrer sans trop de difficultés. Des difficultés, mais... en revanche, il y en a pour Julien Ledoun. Pour en revenir à votre remarque concernant l'équipe Télécom, effectivement, l'équipe Télécom sur une épreuve comme celle-ci présente, oui, vainqueur potentiel, oui, rouleur, et donc peut déterminer, peut donner un tournant véritable à la course. Et on a vu sur la droite, ce sera aussi très intéressant, hein, parce qu'on parle toujours des équipes belges, évidemment, c'est normal. Sur leur terre, les Belges doivent s'imposer. On peut quand même dire que la victoire de Capel a fait un bien fou au cyclisme belge. Hein, une équipe belge, un coureur belge qui s'impose dans une course de ce niveau-là, c'était important, parce qu'on attendait ça quand même. Durant cette saison, mais il y a aussi le rôle, outre l'équipe allemande T-Mobile, le rôle de l'équipe Rabobank qui va être très intéressant à suivre, avec un De Jong qui, on le sait, sur 200 km est très costaud, qui s'effacera au profit de ses leaders dimanche prochain dans le Tour des Flandres, mais qui ici a encore sa carte à jouer. Vous savez que le dernier à avoir fait le doublé, gagné deux années de suite dans cette course, c'est Jan Raas, donc ça fait plus de 20 ans. Mais on voit à droite derrière Bettini, il y a Freire et il y a Bogert, donc qui découvre. Et finalement, c'est peut-être pas si mal vu, hein, d'être dans la roue du champion d'Italie. Hein. C'est une très belle position parce qu'on est presque certain que Bettini va attaquer à un certain moment. Il va sans doute attendre la série de côtes qui reprend le Pattersberg, qui sont les plus difficiles évidemment, pour donner un coup de boutoir et essayer de distancer un certain nombre de coureurs. Oui, c'est très amusant parce qu'on a donc Bettini à droite, puis on a Bogert juste en retrait de Freire, qui vient de lever la main gauche, là ça c'est Van Bonn qui est en discussion avec McEwen. Et on a vu juste derrière avec le maillot rose et blanc, c'est Stefan Weizmann. Donc ce sont pratiquement que des leaders, hein, qui se retrouvent devant pour le moment. Il faut faire la course en tête ici pour parvenir à s'en sortir et être dans le bon groupe, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec le nombre de virages qu'on va avoir, de petites côtes, de petites descentes qui leur succèdent, que ce peloton reste aussi compact. Et effectivement, les coureurs motivés, les coureurs qui veulent faire quelque chose, doivent arriver à l'avant de la course maintenant. Et on voit qu'il y a justement, comme pour vous contredire, depuis que les caméras de la télévision sont là, un petit moment d'accalmie dans le peloton. McEwen, Van Bonn, Bettini, la remontée du grand Flickinger, qui doit être en principe avec Kirsipou, l'atout de l'équipe AG2R aujourd'hui sur ce genre de course. Et encore un peloton très important, parce que je rappelle qu'il n'y a eu que 5 chutes et 5 abandons, pardon, et quelques coureurs lâchés mais qui ont pu revenir. On nous annonce, c'est une surprise, l'abandon du champion de Belgique. Gérard, à mon avis, il y a dû se passer quelque chose avec Omloop, parce que celui-ci était très motivé, hein, par une course. Autant sur le Tour des Flandres, c'est peut-être un petit peu long pour lui, autant ici, c'était une course qui devait lui convenir. On l'avait vu très bon à Keulen-Bruxelles-Kuurne. Et donc, abandon du champion de Belgique. Je pense que c'est, à ce stade-ci de la course, l'information la plus importante. Certainement, il doit s'être passé quelque chose, peut-être ici, dans cette chute. On n'a pas tout vu. Mais... Voilà, Hazel, l'Autrichien. Regardez l'état des routes, on comprend qu'il y ait des risques de crevaison. Mais pour le moment, un petit train de sénateurs, hein,
avec toujours Bettini, Van Bonn et McEwen de droite à gauche. McEwen qui fait la course en tête, qui essaie aussi, je crois, Gérard, de convaincre ses employeurs pour le moment, non ? Oui, c'est une des raisons, vraisemblablement. Il veut imposer son propre programme et Bartoli. Il n'a pas fait trop de résultats jusqu'à présent, donc il faut quand même montrer quelque chose. Hoy, pardon, ça c'est Frank Hoy. Victime d'une crevaison, lui aussi. Regardez cette poussière. Ouais, de loin, il y a quelques petites allures de Paris-Roubaix parfois, dès que la poussière est là. 65 km de l'arrivée. Et donc, l'Australien Robbie McEwen qui imprime le rythme dans ce Grand Prix de l'E3. Bettini est toujours très attentif, qui depuis que nous sommes là en direct n'a pas quitté les avant-postes. À quatrième position donc, du champion de Lettonie dont je vous ai parlé, Naudus, qui a gagné le Tour de Stozzi il y a quelques semaines. Il va très vite au sprint. Bon, ce n'est pas Petaki, hein, mais dans une arrivée à 20-25, c'est le genre de coureur très redoutable. Il a d'ailleurs son équipier et compatriote dans son équipe, Andrus Haug. Pas beaucoup de coureurs connus hein, dans cette équipe, Domina Vacanze. Il y a un néo-professionnel, Alexandre Bazenov. Un autre néo-professionnel brésilien, comme son nom ne l'indique pas, Fischer. Et voilà Johan Musset qui arrive sur la gauche de l'écran, très attentif. Vous savez que Johan Musset, il y a des petits trucs pour avoir une idée de son état de forme. À ma connaissance, la meilleure solution, c'est d'aller voir des Knechtergaard qui sont soigneurs. Il y a peu de gens qui le connaissent aussi bien que lui. Et je continue à prétendre que parfois, une minute de discussion avec Knechtergaard, c'est mieux qu'aller manger deux heures avec Musset, qui n'en dit pas grand-chose sur lui, d'habitude. Ce n'est pas un bavard. Voilà. Et Dirk me disait, Musset est à 87% de son potentiel à l'heure actuelle. Et l'idéal, c'est que la course puisse être faite à bloc aujourd'hui, qu'il puisse aller loin dans ses réserves aujourd'hui, afin de pouvoir ainsi faire l'impasse sur la course de demain, récupérer, et puis avoir encore quelques kilomètres dans les jambes lors des trois jours de la panne, pour avoir alors, me disait Dirk, les 13% qu'il y manque pour être en 100% dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? C'est une analyse tout à fait réaliste, parce que c'est vrai que celui qui arrive à un pic de forme aujourd'hui risque de ne pas le maintenir pendant toute une semaine encore. En plus, on ne sait pas comment peuvent se dérouler les trois jours de la panne, quelles sont les conditions climatiques qui peuvent être présentées aux coureurs. Je pense que si effectivement ce pic de forme est atteint maintenant, il est beaucoup beaucoup trop tôt pour faire un grand pronostic vers les classiques. Si effectivement il faut grandir encore un peu, je pense que Musset, on va le voir. Il peut gagner pour vous le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Vous y croyez ? Peut-il gagner ? Oui, si les circonstances lui sont favorables. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça sera sans doute différent. Il ne va plus imprimer la course lui-même. Il ne va plus imposer sa propre course aux autres. Il ne l'a plus fait d'ailleurs la dernière année. Mais il pourrait profiter de son expérience encore et d'une très bonne condition pour arriver quand même à un résultat final intéressant. Première accélération de Dave Breuland dans Leikenberg. Vous voyez que ça commence à faire mal à l'arrière du peloton. Jeff Brakevelt me disait le problème avec Breuland, c'est que quand il est bien, il ne peut pas le cacher. Et tout le monde le sait. Et il le montre à tout le monde, voilà. Donc effectivement, tout le monde le sait et tout le monde peut profiter de lui, en fait. Voilà, donc Breuland, c'est dans un bon jour et il n'attend pas. Et dans son entourage, certains disent, mais pourquoi n'attend-il pas 20 km de l'arrivée pour essayer ça? On n'est qu'à 63 km, mais il sait dans son tempérament. Et regardez qui est derrière, Bogert. Bogert qui arrive. Intéressant, Leikenberg est souvent un intéressant point de repère. C'est Mikkelsen, si j'ai bien vu, qui est en troisième position. Et Amont, qui est quatrième. McEwen, cinquième. Bettini, aux environs de la sixième place. Je crois avoir vu le grand flic Ingé, qui est encore là aussi. Mais Bogert est très à l'aise. Hein. Très, très à l'aise. Confirme ce qu'on avait vu dans Tirreno-Adriatico. Il est toujours bien à cette période aussi de la saison. Hein. C'est vrai que sur le papier, le parcours de demain devrait mieux lui convenir pour la gagne.
Panesweg n'est pas loin, Museu est aussi dans le coup. Il y a Zanini, il y a De Volder qui sont un petit peu plus loin. Je crois avoir vu Dario Pieri aussi, ainsi que son équipier Balducci. Et le champion d'Angleterre, de Grande-Bretagne, pardon, Hammond, qui fait vraiment, à ma connaissance, la meilleure saison, le meilleur début de saison de sa carrière. Oui, n'oublions pas que c'était à l'origine un cyclocrossman. Il a été champion du monde de cyclocross junior et puis il est passé à la route. Il est rapide aussi, il a un physique assez trapu et il fait un très très bon début de saison. Et Pogertale a mis vraiment de voler littéralement. Il avait une impression de facilité tout à fait désarmante. Hein. Oui, il est très très facile. Il pousse un petit développement. Et pour certains, ça devient un petit peu plus difficile derrière. C'est déjà le cas de Wouter van Mechelen, qui est un pistier. Et je crois avoir vu aussi Tony Brax, c'est exact ? C'est exact. Il revient après maladie et il manque encore nettement de kilomètres. Il y a là aussi Mats Kagestad, le Norvégien de l'équipe du Crédit Agricole français. Les liens entre le Crédit Agricole français et belge peuvent être comparés à ceux entre les deux équipes de Lefèvre ? Oh non, pas du tout. Je dirais tout simplement qu'il n'y a aucun lien. Le seul lien pour l'instant, c'est qu'il y a eu un accord commercial où des parts ont été prises dans le Crédit Agricole belge par le Crédit Agricole français, mais ça n'a rien du tout à voir avec le sport. Et je pense que Bert De Waal a bien montré dimanche à Cholet, il n'a fait aucun cadeau à Uchoff, qui était leader de la Coupe de France, en le battant. Donc non, il n'y a pas de lien. Et oui, Bert De Waal, vainqueur à Cholet d'un seul coup. En quelques heures, hein, si on voit Omloop au Grand Prix d'Annens, De Waal à Cholet et Capelle à Waregem, eh bien, les Belges ont augmenté leur capital victoire depuis le début de la saison. On gagnait plus en 3 jours qu'en un mois et demi. Je vous signale aussi, donc, outre le direct de demain de la Flèche Brabançonne, vous aurez aussi dans le week-end sportif des images du Critérium International de la route, important, où on suivra particulièrement notamment les performances de Rick Verbrugge, mais aussi de Christophe Brandt, de Philippe Gilbert, de Jürgen Van Golen. De ceux qu'on devrait en fait découvrir à partir de l'Amstel et surtout dans les Wallonnes. Puisque Van den Broek, lui, a remarquablement terminé la semaine catalane et qu'on le reverra en compétition aux 3 jours de la panne. Kirsipou qui est en forme, qui l'a démontré de la façon admirable dont il a bouché un trou quand même de plus d'une minute mercredi dernier avec Hammond, justement. Les deux hommes sont presque inséparables. Mais c'est très intéressant parce que ça fait un moment qu'on voit toujours les mêmes. Hein. C'est Van de Waal, si j'ai bien vu, qui est devant. C'est Jürgen Van de Waal, oui. Van de Waal, Weseman avec le casque rose. Zanini qui remonte. Et de nouveau, on a des coureurs qui ramènent leur leader vers l'avant. Alors nous allons aller tout doucement vers la Stationsberg. C'est l'occasion pour nous de marquer une petite pause publicitaire. On fera ça deux fois avant l'arrivée. Maintenant, une petite minute et on revient en direct ici à Rolbeek pour assister à la... Ah non, attendez un petit moment. Il y a une chute maintenant dont est victime Paul Van Ift. Non, et on nous montre aussi Chris Peers. Ça, ce serait dramatique pour Chris Peers. Ça, c'est Paul Van Ift. Que c'est tout aussi dramatique pour Paul Van Ift. McGee ? Non, c'est Renshaw, oui. Mark Renshaw qui est là. Donc on voit qu'il y a juste un virage là. Van Ift reste au sol. C'est pas. Oui, c'est un moment où des groupes ont été distancés et les voitures sont bloquées derrière ces petits groupes et c'est la raison pour laquelle le coureur de la Française des Jeux là, n'est pas dépanné pour l'instant. Curieux qu'il n'y ait pas une voiture neutre intercalée d'ailleurs. Paul Van Ift, y a-t-il un troisième coureur ? On nous avait mis Chris Peers en surimpression. C'est vrai qu'il y a un Cofidis, mais on rappelle que Chris Peers n'est plus chez Cofidis. Il a connu assez de malheurs d'ailleurs déjà ces derniers temps. Et pour Van Ift, manifestement, il souffre. Je crois que sa course se termine là. Il se tient le bras gauche. Ah,
assez dommage pour Paul Vanist qui avait un rôle important dans cette équipe Vlaanderen de guide en quelque sorte pour les jeunes. Les nombreux jeunes qu'il y a là-bas, Van Ift qui rebondissait après une fin, je dirais, difficile dans l'équipe CSC. Donc pour Van Ift, c'est terminé. Donc je vous confirme pour le moment, Van Ift et donc Renshaw, les deux victimes de cette chute. On tourne vite une page publicité, on revient ici pour la côte suivante. À dans quelques instants. You're following me? Shake it out. Ooh. Mamma mia. Okay, stop. Okay, you watch me. Following me. Woo! Come on, baby. You can do it. Cracanut. Quand on les croque, ça fait crack. Si vous aimez rentrer chez vous encore et encore, c'est sans doute pour la fraîcheur du nouveau Febreze Plongeon d'été. Il élimine les mauvaises odeurs des tissus et laisse une sensation d'air frais dans toute la maison. Febreze, une idée bien fraîche. Maintenant en de nouveaux parfums. Vous voulez faire de l'argent avec ce qui vous encombre ? Ça tombe bien. Chez Cash Converters, c'est vous qui remplissez le magasin. Vous entrez avec du solide, vous sortez avec du liquide. Cash Converters vous paye cash tous les objets qui ne vous servent plus. Et vous pouvez acheter à des prix incroyables des articles de qualité soigneusement contrôlés et garantis. Cash Converters, nous achetons cash, nous vendons avec garantie. Cash Converters. Et nous revenons en direct maintenant avec Fred Rodriguez qui se trouvait là aux avant-postes. Fred Rodriguez et sa nouvelle équipe Aqua et Sapone. Et c'est Chandri. Lui aussi est dans une nouvelle équipe, CSC. Nous sommes donc dans le Stationsberg, la cinquième des 11 difficultés répertoriées. Et Chandri et Bettini, roue dans roue. Musset est aussi très attentif. Et Hulsmans qui vient manifestement pour durcir la course à ce stade-ci, Gérard. À ce moment-ci, on va devoir manifestement lancer la course parce que le peloton est encore fort compact. Et le rôle d'Hulsmans, c'est certainement de lancer la course, comme vous le dites maintenant. Il a son leader à l'avant, donc on peut y aller. Donc Hulsmans, Chandri et Bettini. Musset est un petit peu plus loin. Donc explication de l'abandon du champion de Belgique, Wim Omloop. Pourquoi je dis Wim, c'est Geert évidemment. Wim, c'était le cousin. Hein. Il a crevé et n'a pas réussi à revenir dans le peloton. Il a donc décidé d'abandonner. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'on voit comme cela Max Chandri, un des doyens du peloton, avec son nouveau maillot de l'équipe CSC. Bettini, qui est pour le moment, je pense assez clairement, avec Bogert, et on peut quand même le citer aussi parmi les favoris, Breulands, celui qui se montre le plus à la en tête du peloton. Oui, les choses sont prises en main pour l'instant par l'équipe Quick-Step. On voit aussi souvent à l'avant du peloton l'équipe Rabobank, qui a quand même très très bien réussi et ils ont dominé vraiment Milan-San Remo. C'est eux qui ont pris la responsabilité de mener la poursuite derrière. 12 victoires déjà cette saison pour Rabobank. Une équipe qui marche. Et vous avez vu Fred Rodriguez qui vient de passer. Avec aussi O'Grady qui est là. Il est en très bonne condition, on l'a dit 3ème de Milan-San Remo, 3ème du Tour des Flandres l'année dernière. Et un petit groupe de 6 coureurs qui se dégagent. Est-ce qu'on peut laisser faire ça, les autres? Quand Bettini est là, on ne peut certainement pas laisser faire. Leif Ost, il manque un Rabobank, à tout le moins. Je me demande si ce n'est pas Stéphane Schreck, le coureur de l'équipe T-Mobile. Et c'est De Volder qui fait le travail. On commence à voir uniquement des noms de plus en plus. Van Petegem en 5ème position dans la roue de Musée. Van Petegem qui est là à gauche. Les favoris montrent le bout du nez de plus en plus clairement. Il faut dire aussi, Gérard, que vont se succéder maintenant le Taillenberg, le Kapellberg, le Paterberg, le Vieux Quarmont, la côte du Trieux. La course se joue maintenant. La course va se jouer maintenant. C'est la plaque tournante de la course maintenant. Il faut être devant et essayer d'y rester. Donc la composition du groupe qui s'est dégagé, O'Grady, Ost, Chandri, Bettini, Rodriguez et Schreck en effet. Grand format comme cela. Schaffrat est tout aussi grand mais un peu plus massif. Schreck est plus frêle. D'apparence. Hein. Quelques bons rouleurs. Bien équilibré hein, comme équipe, oui, c'est vrai.
Et me disait Walter Gottfried, qu'est-ce qui peut changer par rapport à l'équipe alignée aujourd'hui et celle qui sera alignée dimanche prochain Tour des Flandres? Il me dit, c'est peut-être Zabel. Zabel disait jeune fric, bilan San Remo, mais après sa déception et vu sa condition, Zabel se dit, et pourquoi pas? Encore deux fois deuxième à la semaine catalane. Hein. Le nombre de deuxième place de Zabel, on en a fait moins en son temps pour Poulidor. Hein. Tout à fait, et celle de Milan San Remo, c'est vraiment une erreur de jeunesse, si l'on peut parler de jeunesse chez Zabel. Mais il est tout à fait capable aussi de faire un très bon tour de fin. Mais on laisse faire. Pas dangereux, hein, ça n'est que le troisième de Milan San Remo et le troisième du Tour des Flandres l'année dernière, et en plus il va vite au sprint. Mais s'il est seul, ça ne l'arrange pas. Il reste évidemment 55 km seul. Mais il est curieux qu'il n'y ait pas de réaction de ce qu'on va appeler des seconds couteaux qui tenteraient de le rejoindre et de former un petit groupe. Ouais, amusant de voir qui est derrière de Volder, hein, côte à côte. Van Petegem, Musset, Bettini. Ce sont les trois plus grands favoris pour vous du Tour des Flandres, avec Van den Broek? Je dirais effectivement avec Van den Broek parce qu'on sent que Franck, cette année-ci, a travaillé tout l'hiver. On sent qu'il est bien et il va tout à fait tenter quelque chose. Mais il y a des équipes comme ça, des groupes. On insiste aujourd'hui sur la force collective de Rabobank, de certainement aussi de T-Mobile. Et puis, comme me disait, il faut dire qu'il avait vraiment envie de plaisanter. Après Milan San Remo, on le comprend. Oscar Freire, combien sympathique, agréable à l'interview. Disponible aussi, il faut parfois le souligner. Il disait finalement, mais je ne connais pas grand-chose du Tour des Flandres, mais la tactique idéale, évidemment, c'est de rester dans la route Van Petegem jusqu'à 500 mètres de la ligne. Hein. C'est une bonne solution, à condition que Van Petegem soit le Van Petegem de l'année dernière. Il est bien maintenant, mais les courses ne se répètent pas. C'est évidemment souvent une attitude de coureurs qui sont en bonne forme, c'est de choisir une roue qui doit les mener à la victoire, mais ce n'est pas aussi simple. Musée veut faire la course à fond aujourd'hui, hein, comme nous le disait Dirk Nachtegaal ce matin. Chandri, Van Petegem, Schreck, Wezeman, Bogert, Kirsipou, Zanini, Van de Waal. Il y a aussi Ivanov qui se trouve un petit peu plus loin. Et on voit beaucoup Fred Rodriguez, qui fait partie d'une équipe de Division 2, donc une équipe invitée. Aqua et Sapone. Je ne sais pas si tous les autres coureurs sont terriblement connus. Hein. Valérie Kobzarenko, Alessandro D'Andrea, Claudio Astolfi, Lorenzo Cardellini. Allez, oui, Gerard Trampouche et Giuseppe Palumbo le sont un peu plus. Et Alessandro Donati est un néo-professionnel. Et on voit quand même que c'est une équipe très inexpérimentée autour d'un coureur qui a fait ses preuves dans ce genre de course, c'est Rodriguez. Contre-attaque d'un coureur de la formation T-Mobile. Est-ce que ce serait Wezeman? Musée qui emmène avec Van Petegem. Je rappelle donc que O'Grady a été repris et nous sommes dans le Taillenberg. Taille, ça veut dire dur, rude. Ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Musée, Van Petegem, Bettini, Bogert et Wezeman. Eh bien, c'est cinq coureurs là dans l'ordre. Et puis, je crois que c'est Breuland qui est en sixième position. Et il me semble que si j'ai bien vu, c'est encore Schreck qui se trouve là-devant. Van Petegem, c'est important de se tester. C'est là que les favoris se testent. Testent aussi les autres. C'est sur ce genre de difficultés, à ce genre d'endroit qu'on a des points de repère très importants. Et comme par hasard, Van Petegem, Bettini, Musset, Bogert, Wezeman. Ah, c'est ça, là c'est solide. Regardez la petite cassure derrière Breulands. En sixième position. Je rappelle qu'il y a un équipier de Wezeman qui est devant. Et il s'agit de Clear, qui est en grande forme, qui était très présent aussi mercredi dernier à Waregem, qui fut un des équipiers les plus précieux de Van Petegem, lorsque celui-ci avait notamment gagné ici en 1999. Clear, dernier vainqueur de Grand Wevelgem, répétons-le. Van Petegem, Bettini, qui on n'a pas encore beaucoup vu aux avant-postes, c'est Tom Bonen, qui, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on est passé dans le vieux Coirmont, s'y est illustré. On verra tout à l'heure. Bettini accélère. Et c'est Bogert. Il est malin, Van Petegem. Vous avez vu ça? Oui, il aurait pu faire l'effort lui-même pour entrer dans la route de Bettini, mais il s'est écarté et de cette façon-là, il ne prend pas de vent du tout.
Mais on voit que Bettini, maintenant, veut forcer une décision. Il a vu que le peloton s'était considérablement étiré. Il y avait deux ou trois petites cassures. Attention, c'est un endroit important ici, Gérard, parce que c'est la seule fois où... Attention, les routes sont étroites, vous le voyez, il y a des relances sans cesse, mais il n'y a plus de difficulté pendant 12 km entre le Taillenberg et le Kappelberg. Donc, il faut aller chercher d'autres éléments que les difficultés naturelles, au niveau, en tout cas, du pourcentage, pour faire la différence. Alors, c'est peut-être utile d'avoir des équipiers à ce moment-ci, peut-être d'essayer de provoquer quelque chose. Parce que, je dirais que le relief est favorable ici à un regroupement, hein. Tout à fait. Il est très important maintenant de ne pas retomber dans l'anonymat du groupe. Pour, donc, Brady numéro 2, je vous interromps. Pour éviter d'être dans une mauvaise position quand les côtes tout à l'heure vont se succéder d'une façon beaucoup plus rapide. Deuxième tentative de Stuart O'Grady. Qui démontre qu'il est en aussi bonne forme. Je pense même qu'il est plus fort encore cette année qu'il y a 12 mois. Sa résistance de poursuiteur en fait un redoutable finisseur. Et vous voyez, Amont, on revient sur le groupe de tête avec O'Grady, Zanini. Il y a du solide, il y a du muscle là. Hein. Stefano Zanini, et c'est Van der Waal. Je pense bien. Il est bien connu aussi, Jürgen Van der Waal. Comment expliquer que vraiment on a l'impression que sa carrière commence seulement maintenant? Il a acquis les deux dernières années un peu plus de maturité. Et il me disait avoir changé complètement ses principes d'entraînement cet hiver. Avant, c'était plus ludique qu'un véritable travail musculaire. Et sans doute que ceci explique cela. C'est un coureur qui peut se défendre très très bien dans la montagne aussi. Et Mario Arts qui essaie de sortir. Mario, qui va faire le Tour des Flandres. Vous savez quand c'est la dernière fois qu'il a fait le Tour des Flandres? C'est l'année où Schmid gagne. Et il avait été décisif. Il avait joué un rôle très important cette année-là. Mario Arts qui attaque et contre de Leif Oost. Avec Kevin Hulsmans maintenant. Là, ce sont les lieutenants de route là qui y vont maintenant. Pour leur capitaine. Hein. Tremplin sans doute. Oui, oui. Mais peut-être aussi parce qu'il y a justement cette petite dizaine de kilomètres qui leur est favorable. Et on sait que si les hommes forts se donnent à fond, les plus explosifs dans les bosses, ces coureurs seront lâchés. Donc c'est bien vu quelque part aussi. C'est bien vu pour apporter une aide au leader sur les endroits les plus difficiles. Mais ça ne s'entend pas fort. Oh, de nouveau, Nodush, le champion de Lettonie, qui est là aussi en quatrième position. Un petit groupe de cinq coureurs qui se dégagent, répétons-le, sous l'impulsion de Mario Arts. Mario Arts, qui a connu une année catastrophique l'année dernière, maladie, une chute à Tenerife. Voilà, toujours... très esthétique hein, sur le vélo. Hein. Mario Arts. Campinois, originaire d'Herentals, la ville de Rick Van Looy, dans l'école de cyclisme duquel il a d'ailleurs appris dès l'âge de 15 ans les rudiments du métier. On peut rappeler que derrière son air de styliste et de coureur de classique wallonne, il fut quand même vice-champion d'Europe et champion de Belgique de VTT. Donc il s'est bien piloté quand il faut. Et il affirme qu'il n'a jamais effectuer un entraînement aussi intensif que durant cet hiver. On le voit peu souvent aussi vif au début de saison. Est-ce que le grand garçon qui se trouve là au milieu, c'est bien Van Sumeren, ça? J'ai l'impression. Hein. Oui, c'est Van Sumeren. Ah, ouais. C'est bien de le voir aux avant-postes quand même, Gérard, après 150 km dans une course comme celle-ci. C'est important, c'est un garçon qui a du fond et l'aspect le plus intéressant ici, c'est de le retrouver dans des épreuves où il peut vraiment faire un apprentissage réel alors qu'il y avait un démarrage de Michel Van Aken, je pense. Oui, oui. Michel Van Aken, qui lui aussi a changé beaucoup de choses. Il a poussé lentilles, opéré aux yeux. Il dit que ça l'aide beaucoup, surtout quand il pleut, ça je peux comprendre. Mais il paraît qu'il a aussi modifié un petit peu sa nourriture et beaucoup de choses. Et il espère, cette année, encore réussir quelque chose. On revient sur Mario Arts. Je vous signale en tout cas qu'avec l'accélération, il y a un deuxième groupe, un deuxième peloton qui pourrait être à 20 secondes du peloton de tous les favoris. Mario Arts donc. Ah, vous savez, il est peut-être aussi en train en se disant « Et si Zabel arrive, il faut quand même aussi que je montre, que je confirme quand même à Walter Gottfroth et à mon entourage que je suis prêt pour le Tour des Flandres, non ?»
Ce n'est pas une mauvaise solution que d'obliger les coureurs à se battre pour défendre une place. Tiens, voilà Tom Bonnen, dont on attend beaucoup. Tom Bonnen qui se trouve dans la roue de Francis Mouret, qui est un néo-professionnel de FD Jeux. Bonnen, Van Sumeren. Rappelons Gilbert, Amidan Sorémo. Les jeunes belges se montrent. Ça, c'est toujours très encourageant, même si Marco Oters, en deuxième position, incarne cette autre génération. McEwan est là avec Hulsmans, mais on a vraiment le sentiment que McEwan fait des kilomètres et ne roule pas pour la gagne aujourd'hui. Mais il peut être précieux pour Van Petegem, ou en tout cas dans un rôle en partant de loin. Bonnen qui semble un peu bloqué là, à l'arrière du peloton. C'est le danger de se retrouver à cet endroit-là maintenant. Il a dû changer de vélo, hein, Gérard. C'est l'information qu'on nous donne. Mendy, qui est à l'écoute pour nous de Radio Tour, me signale que c'est la raison pour laquelle il est derrière. Mais c'est un moment très très difficile. Si on n'a pas un équipier pour être repiloté vers l'avant du peloton, ça devient très difficile. On sent des efforts répétés. Les coureurs devant s'écartent, prennent toute la largeur de la route. Il faut parvenir à se glisser entre eux et on court des risques, évidemment. Ah, ça c'est Verheyen. C'est un phénomène, hein, pour qui a un potentiel, mais qui est souvent fort satisfait de lui. De Volder, qui est très actif. Et Marco Oters, qui devrait disputer sa course de l'année dans un peu plus de 15 jours à Roubaix. Changement de vélo aussi, c'est de nouveau pour Bonnen, c'est maintenant. Donc, moment très important. Stratégiquement, c'est peut-être le meilleur endroit, je vous le rappelle. La prochaine difficulté sera située à 46 km de l'arrivée, le Kappelberg, donc dans 2 km. Il faut surtout l'avoir fait avant le Vieux-Coirmont, parce que sinon, rien ne va plus. Et là, on va voir si Bonnen a des bonnes jambes, parce que je rappelle qu'à Kuurne-Bruxelles-Kuurne et à Waregem, on l'avait vu devant, dans le Vieux-Coirmont. Il risque d'être défavorisé par le fait qu'on nous a annoncé un groupe à 20 secondes, qu'il retombe derrière ce groupe, et si le groupe ne roule pas, qu'effectivement, il ne puisse pas profiter du passage des voitures non plus pour... rentrer sur les premiers. Et devant, on voit que ça roule maintenant, donc ça risque d'être un très très mauvais moment pour Bonnen quand même. Rayon Bettini, Chandri, on n'avait plus vu. Ça veut aussi dire que Chandri est prêt pour le Tour des Flandres. C'est important parce que depuis sa chute quand même à Milan-San Remo, Alessandro Cipressa, on ne sait pas si Bartoli pourra remplir sa mission de leader de l'équipe. Hein. Il est important d'être à un bon niveau à ce moment-ci. Van Aak, alors qu'on voit Baldato aussi. Baldato qui est avec Bachstedt et Sunderland, l'homme protégé dans l'équipe Alessio. Matan. Ah, pour le moment, ça... on a l'impression que ça fuse de partout. Et que beaucoup de coureurs, justement, essaient d'anticiper. Et de prendre peut-être un petit peu d'avance. C'est Guidi que j'ai vu là, il me semble. Donc on nous signale qu'il y a un deuxième peloton. Les directeurs sportifs sont d'ailleurs bloqués derrière ce deuxième peloton qui est désormais non plus à 20 mais à 54 secondes et Bonnen est revenu dans le groupe de tête. Donc il était dépanné juste à temps et a pu faire le bon. C'est très important pour lui pour la suite des événements évidemment. Surtout que maintenant vont s'enchaîner le Kappelberg, le Paterberg et le Vieux-Coirmont. Quand même, Gérard. Oui, une soixantaine de coureurs au moment d'aborder ce point crucial de la course. C'est un moment où, qu'est-ce qui se passe dans les équipes principales, où on recense un petit peu? On regarde effectivement autour de soi pour voir sur qui on peut compter lorsqu'on est le leader. Dans les voitures des directeurs sportifs, on s'est rendu compte que l'on a laissé derrière soi un certain nombre de coureurs déjà, donc
on peut établir maintenant la tactique de voir si on peut prendre la course en main ou s'il faut la subir et essayer dans ce sens-là de profiter de ce qui va se passer si on n'a plus trop de coureurs à sa disposition. Oui, on voit aussi que Weinstein est là en troisième position dans la roue de Baldato. Il y a Virauten aussi qui est en tête. Des groupes qui s'accordent. Ah, Rabobank, c'est important. Bon, j'ai bien vu de Volder et Wouters qui est là aussi. Marc Wouters qui fait une très bonne course aussi. C'est bien de voir Marc Wouters comme cela. Et alors, confirmation quand même de Stijn de Volder, hein, quelque part. Il fait un stage aux États-Unis, où il a environ accompli 1000 km. Il veut faire absolument toutes les courses flamandes, depuis Waregem jusqu'à Paris-Roubaix. Il est donc passé de Vlaanderen à US Postal. Et il dit que c'est un petit peu comme s'il était passé de l'école primaire à l'université, on peut le comprendre. Ce sont des niveaux fort différents, sans rien enlever à la valeur d'une équipe comme l'équipe Vlaanderen, qui est là pour permettre aux jeunes de faire un premier apprentissage. Important dans la roue de Roussems, Bartoli. Ça c'est bon signe pour lui, c'est la première fois qu'on le voit aussi clairement. Bartoli qui n'a pas toujours eu dans le passé une équipe entièrement dévouée à son service, ce qui pourrait être le cas s'il est à 100%, ce qui sera le cas s'il est à 100% dimanche prochain. Et donc il se rassure aussi un peu compte tenu de sa chute spectaculaire dans les centres de la Cipressa. Weinstein relayé par Virauten. On nous annonce une crevaison de Zanini à l'arrière du peloton. Voilà Virauten. S'il faut crever, c'est maintenant l'extrême limite. Hein. Après, ça va devenir très problématique. Voilà Zanini. Baldato, Virauten, Weinstein, De Volder, Wouters. Ouais, tout le poids de la course, désormais sous les épaules de l'équipe Quick-Step David Amon. Et peut-être aussi T-Mobile. Oui, de grosses formations. On a quand même le troisième l'année dernière, on a un champion du monde, on a un leader, c'est Baldato, on a le meilleur lieutenant possible pour Rabobank, c'est Wouters, et finalement, le seul vrai, pur équipier, fidèle serviteur, c'est Virauten. Oui, c'est un groupe intéressant avec... Et qui est-ce qui roule Van Aken avec McEwan? Van Aken et McEwan. Légèrement... Et c'est Pierce qui fait l'effort. Bettini qui est sorti du peloton. Roelands aux avant-postes. Traeré est là aussi avec Musset. Bonnen est revenu tout devant. Van Sumeren est toujours là également. Mais le fait de se retrouver dans ce groupe, ça n'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Hein. Il n'est pas bon d'être dans les derniers de ce groupe quand même. Je parle évidemment des favoris. Mais les favoris sont clairement devant. 43 km de l'arrivée, 12 secondes d'écart entre les 5 hommes de tête et le peloton entre lequel se trouvent quelques coureurs intercalés. Voilà Bettini qui revient très à l'aise, qui est dans la roue de Leif Ost et McEwan. Il y a deux coureurs loto là dans cette échappée. C'est Van Aken qui emmène. Et si j'ai bien vu, c'est Chris Pearce qui se trouve là à droite de l'écran. Oui. Chris Pearce très très motivé par ce genre de course, qui voudrait retrouver ces sensations, opérées de la clavicule au mois de septembre de l'année dernière. 6 semaines sans vélo, que du repos durant l'hiver. Il restait, faut dire, sur une année et demie pratiquement sans récupération. Et il attend beaucoup. Il a fait 5 fois, il a atteint 5 fois le top 10 dans cette course. Hein. Troisième ici en 2000, c'est son meilleur classement. Et vous savez que Pierre s'est entraîné beaucoup avec Schmil, qui maintenant s'occupe de l'équipe... Chocolat Jacques et qui fut d'ailleurs son équipier chez Lotto. Et Pierce, comment procédait-il? Par des séries de 10 sprints, 3 séries de 10 sprints, 10 avec vent favorable, 10 avec vent contraire et 10 dans les côtes. Et le principe, c'était faire 20 secondes à bloc, 40 secondes de récupération. Et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir essayer d'acquérir cette explosivité qui lui manquait dans les côtes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Principe d'entraînement que moi j'ai découvert justement avec André Schmil dans le cadre de l'équipe SEFB qui travaillait tout l'hiver de cette façon-là et qui a formé comme ça, qui est parvenu à obtenir une explosivité qu'on lui connaissait
dans ces démarrages. Donc je pense que pour l'avoir vécu, c'est certainement une école de volonté, parce que c'est très très difficile à réaliser. On commence par le plus facile, on passe ensuite les sprints vent de face et puis les sprints en côte. C'est une école de volonté et qui a donné des résultats avec André que l'on connaît. Alors on a trois blocs là, on a nos cinq coureurs de tête, puis on a le groupe Bettini et puis on a le peloton. Et j'allais justement dire, l'équipe de Weisemann peut-elle se permettre de laisser Weinsteins dans le premier groupe et Bettini dans le deuxième? Ah, c'est peut-être, regardez ce qui se passe derrière, c'est peut-être un moment peut-être décisif dans la course, ce qui se passe ici. Il y a une hésitation, il y a un coureur. Toutes les équipes sont représentées devant. Regardez, Musée ne roule pas au milieu. Non. Freire ne roule pas à gauche, il y a Wouters devant. Toutes les équipes principales ont un homme devant. Alors réagir. Maintenant, attention, un homme fort peut boucher évidemment le trou dans une côte et sur le Kapellberg ou sur, a fortiori, sur le vieux Coirmont. Mais enfin. Voilà une situation quand même intéressante car les coureurs qui se trouvent devant ont plus que des lettres de noblesse. Weinsteins qui emmène, Wouters en dernière position qui ne relaye pas, ce qui me semble assez logique aussi compte tenu de la présence notamment de Weinsteins, mais aussi de Volder qui n'est plus une découverte, hein, qui depuis sa prestation l'année dernière est considéré comme un des outsiders. Et donc 5 hommes devant, 5 hommes en poursuite. Et si tout ça se regroupe, on pourrait se retrouver, s'ils sont à 10, avec 3 lotos aussi. Absolument, et si ça se regroupe, effectivement, avec ces 10 coureurs, il va falloir tout de suite faire les comptes et prendre des décisions dans le peloton, dans le premier peloton qui suit. Donc, je vous rappelle que dans le groupe de contre-attaque, il y a Pierce, Van Aag, Bettini, et puis McEwan et Host qui sont de la même équipe. Donc on peut s'imaginer que devant Wieraut ne roule plus dans le premier groupe, sachant qu'il a 2 hommes derrière, pour autant que l'oreillette fonctionne. Marc Wouters hésite lui aussi pour l'instant. Marc Wouters est clairement dans une situation où il se dit oui, moi j'ai quand même Bogert, De Jong et Freire qui se trouvent derrière. Il est barré au sprint par Weinstein, pour ne parler que de Weinstein. Imaginez, avec les 10 coureurs qui sont devant, Weinsteins et McEwan, ça fait quand même 2 sacrés finisseurs aussi. En ne parlant même pas de Bettini et de Van Aag. Et de Van Aag qui est rapide lui aussi. On n'en est pas là, on est à 40 km de l'arrivée. Et on va... Avec Bonnen qui fait le travail, si j'ai bien vu. Ah, Bonnen dans la... est musé dans la roue, en sachant que Bettini est devant. Comment interpréter ça? Qu'on ne veut peut-être pas se retrouver dans la situation que l'on a connue à l'occasion de Kurn-Bruxelles-Kurn, où finalement Bettini a été battu au sprint, donc on pense vraisemblablement que Weinstein est plus rapide que Bettini. C'est peut-être aussi important de se placer dans le Paterberg aux avant-postes, c'est peut-être ça aussi l'explication du sprint qu'est en train de faire Bonnen. C'est une des raisons principales, mais je pense qu'il donnait l'impression de rouler vraiment pour pas seulement être à l'avant, mais pour rentrer. Marc Wouters. Et vous avez vu que Wieraut en avait pris quelques mètres. Et Weinstein, c'est en dernière position. Et juste derrière, ça revient. Kirsipou qui fait l'effort. Musée. Et Musée qui passe. Alors, Musée dans le Paterberg. C'est très court, mais c'est très raide, hein, le Paterberg. 375 mètres, c'est la plus courte des côtes. On a vraiment l'impression que les écarts se tassent véritablement. Toujours quelques mètres d'avance pour Wieraut. Une foule énorme, une fois encore. Et donc, après cette difficulté, ou la virage difficile pour Wieraut, nous allons tourner une page de publicité juste avant le vieux Coirmont, pour que vous puissiez vivre les 37-38 derniers kilomètres dans leur intégralité. Mais on va d'abord, avant cela, évidemment, faire le point au sommet. Important ce qu'on voit là. C'est rassurant ça pour Musée quand même. C'est un signe qu'il est bien. Et qui est en troisième position, juste derrière Kirsipou. Van Petegem. Et Weisemann juste derrière, avec une chute. Ou en tout cas un ralentissement. Et une des victimes de ce ralentissement, c'est Hartz. Et je crois qu'il y a Bonnen au milieu. Ah non, c'est Hulsmans. Le numéro 76 que vous voyez là.
c'est celui de Skeld. Rien à voir avec l'Esco. Hein. Un coureur danois. Vous voyez combien c'est court, c'est raide, et dès qu'on doit mettre pied à terre, eh bien on doit partir, pratiquement repartir au pas. Oui, et l'effort à consentir est énorme pour se relancer. Et vous voyez encore un supporter qui, en voulant aider Musset, fait pire que bien et a failli le mettre au sol. Alors les deux groupes devant, c'est le regroupement, voilà. Avec Van Aert qui ferme la marche, on a donc 10 hommes devant, avec 36 secondes d'avance sur le peloton. Ça va être très intéressant maintenant de voir la stratégie adoptée, pas seulement par les coureurs qui ne sont pas représentés devant, mais aussi par les Quick-Step qui ont leur meilleur coureur sur le papier, Bettini peut-être. Mais il y a trois lotos, et Wauters par exemple, chez Rabobank, n'est pas le plus fort. Il manque quand même un élément dans ce groupe. C'est un coup, l'équipe de Walter Goldfroth. On analyse tout ça, une petite minute de page de pub et on vit les 38 derniers kilomètres en direct, en intégralité. A tout de suite. Vous connaissez Biscuit ? Un biscuit croustillant nappé de M&M's, Twix, Mars ou Bounty. Un mélange tellement irrésistible. Et maintenant, découvrez les tout nouveaux Biscuit à savourer à la maison. Plus qu'un biscuit, c'est un Biscuit. Pharmaton, votre solution anti-fatigue vitaminée pour une vie pleine de vie. Et pour les petits, Pharmaton Kidi. Vous voulez faire de l'argent avec ce qui vous encombre? Ça tombe bien. Chez Cash Converters, c'est vous qui remplissez le magasin. Vous entrez avec du solide, vous sortez avec du liquide. Cash Converters vous paye cash tous les objets qui ne vous servent plus. Et vous pouvez acheter à des prix incroyables des articles de qualité, soigneusement contrôlés et garantis. Cash Converters, nous achetons cash, nous vendons avec garantie. Cash Converters. Quel dommage pour Johan Van Sumeren qui était en train de faire une remarquable épreuve et qui vient de crever sous vos yeux de la roue arrière. Un très mauvais moment évidemment puisqu'on se dirige vers le vieux Coirmont. Alors Gérard, le vieux Coirmont, attention, on le grimpe en entier. À Waregem, on n'était pas allé jusqu'au-dessus, c'était plus court, donc moins dur. Et après, au lieu d'aller vers le mont de l'Enclus, qu'on ne franchit pas cette année puisque pour des raisons de travaux, on va directement vers la côte du Trieux, donc il n'y a pratiquement pas de répit. La descente du vieux Coirmont, qui est en fait la descente du nouveau Coirmont, employant la terminologie exacte, est assez dangereuse, et donc il n'est absolument pas propice au regroupement. Donc à partir du vieux Coirmont, il y a moyen, si on fait la course à bloc, comme on dit, d'éviter les regroupements. Donc si des hommes forts veulent sortir derrière à l'image de Musset, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, Musset est quand même en train de faire un beau numéro là. Ben, je pense que Musset a compris que dans le peloton, il ne recevrait plus beaucoup d'aide et qu'il fallait y aller maintenant s'il voulait faire un résultat. Je crains aussi qu'à l'avant, on risque d'avoir maintenant une accélération d'un coureur comme Bettini et de se retrouver dans une situation assez particulière. On peut quand même être surpris de voir Musset faire cela et de ne pas voir un coureur de l'équipe de Walter Goldfroth ou voir un Bogert ou un Freire. Et même à la limite, peut-être avant de Peteghem, sans passer, puisqu'il y a trois hommes devant, derrière, on laisse faire Musset. Si Nachtergal a dit la vérité tout à l'heure, je pense que Johan Musset a besoin de se tester, de voir où il en est, et cet aspect-ci, aller en poursuite sur le vieux Coirmont, c'est un maître ruban, je vais dire, idéal pour savoir ce que l'on peut se permettre et ce qu'on ne peut pas se permettre, et ce qu'il faut faire encore dans la semaine à venir pour être au top la semaine prochaine. Et ça, c'est clairement, il va être repris, mais le groupe des plus forts dans le Kapellberg, c'est ceux qui ont pu faire la différence. Maintenant, regroupement en général, très important de voir ce qui va se passer maintenant. Musset qui se dit, peut-être qu'il peut, je crois que, regardez, ils sont là-bas tout au-dessus. Le but de Musset, c'est de boucher le trou tout seul dans le vieux Coirmont. Et on y est. Alors, que doit faire maintenant Bettini? Ne pas passer. Bettini peut attendre Musset, et à ce moment-là, évidemment, les trois lotos, s'ils se retrouvent avec deux Quick-Step d'Avitamon, en l'occurrence Bettini et Musset, ça change un petit peu encore les données. Weinstein est dans la route de Volder. C'est ainsi que le rôle de l'oreillette est évidemment prépondérant. Si elle fonctionne, Bettini sait ce qu'il se passe, et à mon avis, elle fonctionne bien puisqu'il reste en troisième position. S'il ne le sait pas, il peut attaquer et mettre fin à la contre-attaque de son propre équipier.
De Volder, Weinsteins, Bettini et Baldato. Baldato, qui on peut le rappeler, a déjà été deuxième du Tour des Flandres. Deuxième de Paris-Roubaix aussi. Et donc, on avait vu Chandri il y a quelques kilomètres, et bien il y a quelques anciens qu'on revoit bien. Et Bonen qui va sortir aussi. Et Musset a été repris, je crois. Musset a été repris, on voit la Démobile qui vient rouler en tête. Ce qui est d'une logique implacable. Je crois que c'est Clear, encore une fois, qui est là. Avec Bonen, dans son vieux Quarmon, parce que chaque fois, il s'y est très très bien débrouillé. Et donc, pour le moment, une course en deux temps, même si De Volder et Weinsteins sont un petit peu... fait le trou. Weinsteins, dans ce style caractéristique, qui fait qu'on ne le voit quasiment jamais démarrer, lui. Il est là, il s'accroche. On ne peut pas dire qu'il influence la course, qu'il la détermine. Mais quand vous avez Weinsteins sur le pourbagage, si j'ose m'exprimer ainsi... On emmène le vainqueur. Hein. Ah oui. Mais c'est beau de voir De Volder, un jeune coureur belge, à l'avant, volontaire comme il l'est ici. Clear et Bonen. Au sommet du vieux Quarmon, il restera 36 km. Bettini en troisième position dans la roue de Peers, lui-même dans celle de Baldato. Et puis derrière Bettini, le champion d'Italie, on voit Host, puis c'est Waters. Ensuite Virauten, Van Aak et McEwan qui ferment la marche. Ah, ça revient. Et c'est vrai que Weiseman, en troisième position, peut compter sur le travail de Clear. Bonen est en deuxième position. La composition du groupe, Gérard, c'est important. Il y a là pratiquement tous les favoris. Hein. De Jong avec Bogert. Freire n'est pas là. Mais De Jong, Bogert, Breulans, Verheyen, Amont, Balducci, Kirsipou, Van Petegem, Van Bon, Bonen, Musset, Matan, Fred Rodriguez et Weiseman. Qui est-ce qu'il manque? Pas grand monde, hein. O'Grady qui s'est un peu brûlé les ailes, peut-être. Van Nesweyck, que l'on ne voit pas non plus. Freire qui paye le fait qu'il n'a pas trop d'expérience ici. Et Ludovic Capel qui se réserve pour le mercredi de Gambevelier. Ou qui n'a pas récupéré du mercredi précédent. C'est tout à fait compréhensible compte tenu de la qualité logique de la course qu'il a faite. Hein. Oui, absolument. Dirksen, c'est pas là aujourd'hui? On l'a vu bloqué sur le Patersberg dans les coureurs qui ont mis pied à terre, mais ça signifie aussi qu'il était en queue de ce groupe. Et si on est en queue de ce groupe à cet endroit-là, c'est qu'on n'est pas super, super. Donc, c'est Pierce qui fait le travail là. Je voulais dire que ce n'était pas une excuse. De Volder qui a été très impressionnant dans cette ascension du Vieux-Quarmon. C'est une belle confirmation, hein. Ce n'était pas du tout un hasard. D'ailleurs, ça ne pouvait pas en être un sans quoi Johan Bonny ne l'aurait pas engagé. Mais belle confirmation de Volder avec Host qui revient maintenant dans la roue de Peers. Il fait très bien son travail d'équipier, hein, Leif Host aussi. Coureur qui progresse de manière intéressante d'année en année sans vouloir brûler les étapes et qui reste utile. Et j'imagine qu'à ce stade-là, il ne va pas passer Host. On en a encore 4 et voilà. Oui. Ah, ben ça, c'est le regroupement derrière. Ça, ce sont les meilleurs du vieux Quarmon qui arrive. Bettini très à l'aise comme d'habitude. Baldato. Waters. Clear. Breulans. Bogert. Van Petegem. Musset. Weiseman. Loïc. Loïc ou Verheyen? Là, j'ai un doute. Okay, c'était pas Loïc, il était plus grand. Mais je crois qu'on a les plus forts là, tout simplement. On a le meilleur groupe, oui, tout à fait. Et on ne domine jamais une course à 100%, mais de ce qu'on a vu, parce qu'il peut y avoir eu l'un ou l'autre coureur qui a connu un ennui au plus mauvais moment, etc. Mais tout simplement, on a la loi des plus forts pour le moment sous les yeux. Et on va voir immédiatement si ça continue à rouler. S'il y a une hésitation, un petit groupe peut encore revenir. S'il n'y a pas d'hésitation, si on s'organise tout de suite, eh bien la course est terminée. Donc, Clear est ici dans la roue de Virauten. 33 km de l'arrivée, il reste deux difficultés, la côte du Trieu et le Tiegenberg. Donc Clear, Virauten et Van Petegem qui possède quand même là-bas, si j'ai bien vu, Host, Virauten et McEwan. C'est la moitié de l'équipe d'auto devant. Est-ce que des coureurs peuvent encore faire le bon là?
dirais la première chose, c'est que ça dépend de la façon dont ça va s'entendre devant. S'il y a une organisation à l'avant, et je pense qu'il y a là des coureurs qui vont essayer de faire tourner le groupe, alors je pense que l'on peut considérer que la course est terminée. Oui, le retour de Bogert, évidemment, facilite la tâche de Wouters. Bon, De Jong n'est pas là. Apparemment, quoi qu'il faudrait quand même confirmer. Je crois que De Jong a perdu un peu de terrain sous le vieux Coiremont. Johan Musset, oui, il nous fait une bonne impression. Vous voyez qui est dans la voiture là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, parce que si vous êtes aussi un peu à contre-jour. C'est De Baeremaeker qui est dans cette voiture, ancien directeur sportif. Il est dans la voiture neutre, donc il doit rester neutre. Il doit rester neutre ici. Il agit comme le directeur sportif de Johan Musset. Oui. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, j'en suis certain. Il n'y a pas d'organisation dans le groupe de tête. Et c'est bien le grand Gerben Lewick qui est là, en effet, dans l'équipe du Chocolat Jacques, Bettini. Voilà, Perse. Toute nouvelle couleur de cheveux depuis mercredi. Enfin, avec le casque, ça ne nous aide guère. Un très beau groupe, en tout cas, vraiment. Donc, on va essayer de voir ça, évidemment, par équipe. Mais il est clair qu'évidemment, avec 4 lotos, ça n'est pas mal. Est-ce que j'ai bien vu, il y a 3 coureurs, l'équipe Chocolat Jacques, hein, Breulans, Peers et Lewick. Et Lewick. Ce n'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, c'est donc le deuxième groupe qui est à 19 secondes. Il n'y a pas de coureur CSC représenté devant, ça veut donc dire que Bartoli est peut-être, sur le papier, la principale victime de Marc. Mais répétons-le, Bartoli a dû faire l'impasse sur la course de mercredi et se remet de la chute. Dommage pour Van Sumeren, alors que c'est le grand Rousem, je crois, là, qui est en train de faire ce qu'il fait le mieux, hein. C'est sa grande qualité. C'est plat, à fond. La locomotive. Ah oui, c'est impressionnant. Et on se met derrière, on prend vraiment rien comme vent, hein. C'est un très bon équipier, un très bon travailleur. Quand l'équipe doit travailler, c'est un des moteurs de cette équipe. Et on a toujours besoin de quelqu'un qui fait tourner les autres et qui relance automatiquement et qui peut donner de longs relais pour permettre aux plus faibles de récupérer un peu. Et quand on le voit comme ça, je trouve que c'est le contraire d'Abdou Japarov. Hein. On peut tracer une ligne blanche, j'ai l'impression que s'il doit la suivre, il est capable de ne pas bouger d'un centimètre ni à gauche ni à droite. Toujours bien droit. Hein. C'est aussi un peu un poursuiteur, voilà. Un coureur de contre-la-montre. Oui, comme il y a beaucoup de couleurs rouge et blanc à l'avant, et c'est un peu logique, 4 lotos Domo, 3 Chocolat Jacques, des maillots qui d'ailleurs de loin peuvent un petit peu se confondre. Ça fait au moins 7 coureurs qui doivent rouler. On voit que Vezeman et Baldato, même s'ils sont seuls. Non, Vezeman n'est pas seul, il a Clear avec lui. C'est très utile aussi. Rousems qui emmène avec Nico Matan, qui était pourtant avec le groupe Musset-Bonen. Quand Musset-Bonen et Bettini. Donc si on fait quand même l'inventaire, ça veut dire qu'il y a 4 coureurs de l'équipe Lotto-Domo, 3 de l'équipe Chocolat Jacques, 3 de Quick-Step David Amon, 2 de Rabobank, 2 de T-Mobile. Toutes les grandes équipes sont représentées par plus d'un coureur. Hein. Il manque les équipes françaises aussi. Oui, est-ce que c'est une surprise, sincèrement, dans le contexte actuel? Je parlais ce matin avec nos amis de l'équipe Cofidis, qui comptaient sur qui? O'Grady, Farazine et Skerlings, un Australien et 2 Belges. Sur ce qu'on a vu mercredi, le meilleur coureur français actuel, parmi ceux qui peuvent participer à cette course, c'est dans une équipe division 3. C'était pas un collé. Qui était très fort mercredi, oui. Effectivement. Et donc il ne peut pas être présent dans cette course-ci. Oui, il faut que ça revienne tout de suite ou alors on va se décourager derrière. Et j'ai bien peur. Deuxième groupe roule, mais il reste à 19-20 secondes. Ce qui est évidemment important, c'est que, à part Baldato et de Volder, toutes les équipes sont composées de 2, 3 ou 4 coureurs, et donc il y a une bonne organisation. On redonne, et Van Steins aussi qui est tout seul, on redonne le groupe, je pense que c'est important. Donc Bogert est avec Wouters, Breulans avec Lewick et Peers. Baldato seul, Van Steen seul, Van Petegem avec Host et Wierauten. Donc McEwen aurait été lâché
sur la fin du vieux Coirmont. Ça m'étonne, mais on va certainement vous confirmer ça dans quelques instants. De Volder est là tout seul, Bettini avec Bonnen et Musée. Et on me donne Aldach avec Clear. Là, évidemment, sur Radio 2, il va falloir confirmer. Donc, deux doutes, on nous donne Aldach à la place de Weseman au niveau de la taille. On ne peut pas hésiter une seule seconde. On va être fixé très, très vite. Et le deuxième doute concerne McEwan. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. Bonne nouveau terce. Valdato Bettini, Van Petegem, Loïc Weseman, pas de problème. Donc Aldach, c'est une mauvaise information. En revanche, il me semble bien que McEwan n'est plus dans le groupe. Je ne l'ai plus vu. Donc si on calcule bien, ça nous fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coureurs avec 20 secondes d'avance. Et donc on se retrouve avec un meilleur équilibre maintenant en cours des équipes. Hein, 3 Lotto, 3 Quick-Step. 3 Chocolat Jacques, 2 Rabobank et 2 coureurs de la formation T-Mobile. Avec l'écart diminue un petit peu. CSC fait un très gros travail. Oui, parce que sans doute les deux coureurs les plus importants qui ne sont pas devant, sur le papier, s'appellent Bartoli et peut-être Van Esweyck, compte tenu des résultats qui jusqu'ici. Mais Van Esweyck, lui, c'est, il a de Volder devant, pas de raison de faire rouler cette équipe. On va aller au regroupement. 27 km. Le groupe de tête aurait dû, en principe, essayer de pouvoir arriver au pied de la côte du Trieux avec encore un petit avantage, si c'était suffisant. Ça va être trop juste. Regroupement général à 27 km de l'arrivée. Mais dire regroupement général, c'est toujours un petit peu exagéré parce que ça commence à faire mal dans les jambes pour beaucoup. Hein. Il reste une cinquantaine de coureurs, dont une vingtaine sans doute ont profité du sillage de ceux qui ont roulé à l'avant, mais qui ne sont plus capables de faire vraiment la course. Alors ceux qui sont revenus et qui espèrent encore quelque chose doivent y aller maintenant et pas attendre la côte du Trieux. Bonnen, Van Petegem, Bettini, Musée, il n'y a plus de 100 grades en tête du peloton depuis un bon moment. Weseman en cinquième position. De Volder est un peu plus loin. Bogert est toujours attentif également. Breuiland, c'est là aussi. Alors la côte du Trieux, que les Flamands appellent le Knochtberg, avant-dernière difficulté. Et De Volder, avec Bettini dans la roue. La côte du Trieux qui peut permettre de faire des difficultés, hein, de faire des différences. Après, les coureurs sont à Russigny, sont passés chaussée de René. Et on a Nico Matan. Voilà, la bagarre commence dès le pied de la difficulté, donc il y a moyen de faire des écarts. Donc De Volder, Matan, légèrement détaché. Bettini laisse un petit espace. J'ai l'impression que c'est volontaire. On sent aussi qu'il y a une rivalité dans le groupe juste derrière, hein, entre les 4 ou 5 grosses pointures là. L'auto qui essaie de sortir. Bogert, on le voit très à l'aise en troisième position aussi. Ouais, c'est encore Virauten. Hein. Beaucoup de travail. Virauten avec Breuland, je pense, et avec Bogert. Breuland, dont on reconnaît le déhanchement. Et Bogert, l'homme qui est sans doute le plus souvent danseuse de tout le peloton. Le danger, c'est que s'il n'y a pas vraiment ici une attaque qui se dessine, on risque d'aller à l'arrivée avec tous les coureurs qui sont là, parce que le Tiegenberg, c'est pas grand-chose. Exact. Une fois qu'on est à côté du champignon, que vous pourrez voir tout à l'heure, eh bien, les difficultés. Alors, à la fin, après le Tiegenberg, la course devient vraiment tactique. Hein. Ça devient purement tactique, c'est un jeu d'équipe, mais il est très très difficile, il y aura quelques sprinters ici. Donc c'est maintenant que Breuland doit y aller, c'est ce qu'il est en train de se dire. Il faut y aller maintenant. Il a surpris le réalisateur, pas pour longtemps. Voilà Breuland, dans son style caractéristique. Breuland, Bogert, c'est presque la flèche wallonne ça. Hein, et la route y ressemble. Oui, c'est vrai. Le sommet de la redoute, mais il y a moins de monde. Clear en troisième position.
Et Brennan fait mal, hein. Regardez la façon, la vitesse à laquelle il est revenu sur De Voldre et Matan. Et Brennan, ce qui, regardez, personne, il n'y a que Bogert qui va derrière. Où sont les autres? Les coureurs vraiment de type du Tour des Flandres, Van Petegem, Musset, ouais, Bonnet. Il va lâcher Bogert en fait. Oui, ça c'est peut-être une indication aussi pour demain, ça. N'anticipons pas. N'oublions pas que Brennan s'était classé 10e du Tour des Flandres l'année dernière et qu'il a cette année une équipe beaucoup plus solide à ses côtés. Plus équilibré aussi pour participer à une équipe, à une épreuve pardon, comme un Tour des Flandres. ...25 km de l'arrivée, plus qu'une seule difficulté, vous l'avez dit, et dans l'horaire le plus rapide, oui, je regarde, on aurait dû être ici à 16h11, donc on a 10 petites minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide, ça va très très vite. Hein. Très très vite, et De Voldre revient sur les deux premiers. Quelle belle course, quelle superbe course, c'est la confirmation d'un réel talent sur ce genre de parcours. Maintenant, De Voldre, évidemment, vu son jeune âge, devra encore confirmer sur des courses de 40 ou 50 km de plus, mais déjà démontrer ça comme cela. Oui, parce qu'il avait dans la roue Nico Matan, qui, avec son expérience, a dû laisser aller. Super, très très bien. L'année dernière, il s'était classé 32e du Tour des Flandres, après deux crevaisons. Et donc De Voldre revient sur Bogert et sur Brennan. Est-ce que j'oserais dire que De Voldre est le seul des trois à être un pur coureur de classique flandrienne? Il semble que ce soit la réalité. Les deux autres sont plutôt des coureurs spécifiques pour les Ardennaises. Ivanov le pense. Ah, on n'avait pas encore beaucoup vu, hein, Ivanov, mais attention à lui. Et Stijn De Voldre est né à Courtrai, donc c'est vraiment un coureur du coin, un Brennan qui fait l'effort. Et on peut préciser qu'il n'a toujours que 24 ans. C'est prometteur. 24 ans et déjà troisième année chez les professionnels. Bonnen. Van de Wiel. Et Van de Wiel et Freire. Qui reviennent sur Ivanov. Oui, mais Freire. Tout autre chose maintenant, évidemment. Ah oui, mais amener Freire ici sur la ligne d'arrivée, on est déjà descendu tout à l'heure. Est-ce que Freire devient maintenant l'homme à battre? Il faut encore se farcir le Tigenberg, hein. Tout à fait, mais je pense que le Tigenberg ne va pas faire une différence quand un groupe comme celui-là est réuni. Il faut tactiquement tout d'abord reprendre les trois coureurs qui sont devant, évidemment. Mais il faut tactiquement maintenant essayer d'éliminer les sprinters. Et l'équipe Rabobank a quand même une belle carte à jouer, hein, avec Bogert devant, Freire derrière, un atout de chaque côté. Tactiquement, une des équipes les plus fortes de ce début de saison. Et oui, à la recherche de son 13e succès dans des courses comme ça d'un jour. On peut, bien sûr, il y a Milan-San Remo, évidemment. On peut rappeler quand même Kurn Bruxelles-Kurn aussi, remporté par De Jong. Bartoli qui sort. Avec Rousems. 15 secondes. Ça fait longtemps, hein, Gérard, qu'on n'a plus vu dans cette épreuve autant de coureurs après 10 des 11 difficultés ensemble. C'est vrai, mais on s'est rendu compte au début du reportage que ça ne roulait pas trop, que le peloton était encore fort groupé. Et effectivement, si la course n'a pas été dure, tout le monde a beaucoup de réserves et les meilleurs parviennent évidemment à faire de petites différences dans chaque côte, mais sont repris automatiquement par un groupe assez important. Et j'ai l'impression qu'il reste ici entre 60 et 70 coureurs vraisemblablement. Parmi les rares coureurs qu'on n'a pas vus, aujourd'hui avec les meilleurs, on a cité Van Esweck, Dario Pieri, oui. Qui s'est vainqueur ici. S'est fait remarquer cet hiver par quelques frasques et un poids très élevé. Ça peut expliquer évidemment en ce moment-ci un manque de conditions. Mais ce matin, quand je me suis entretenu avec lui, il était vraiment tout à fait à l'aise, tout à fait relax. Il disait non, je serai prêt quand il faudra que je le sois.
Mais on en connaît d'autres qui ne se laissent pas stresser par ce genre de choses. Pierry est justement un garçon qui aime bien passer des hivers agréables, faire la fête, qui prend quelques kilos, mais qui très très vite revient à un niveau assez sérieux. Donc. Alors il y a un deuxième peloton, on va plus dire de lâché, on va dire de battu, qui est pointé à 2 minutes, Gérard. Oui, cela on va plus les avoir. Hammond. Petite. Et voilà la chute. Vous voyez que c'est un métier à risque. Hein. Et vous avez vu aussi tout le talent de l'homme qui conduit la voiture juste derrière, qui était en l'occurrence Freddy Avalanche, qu'on remercie parce que il nous informe dès que c'est possible. C'est à lui notamment, entre autres, qu'on doit l'information sur l'abandon de Omloop. Bogert, Breulans, De Volder. L'année dernière, on était arrivé à 3 ici pour la victoire. Il y avait un Rabobank. C'était pas Bogert, c'était De Jong. Il y avait De Volder qui avait alors le fameux maillot de l'équipe Vlaanderen. Et il y avait à la place de Breulans, Wezeman. Et dire que c'est une folle poursuite qui est engagée serait quand même de travestir la vérité. On spécule, je pense, dans les voitures pour l'instant. Il y a différentes équipes qui ne sont pas représentées à l'avant et on préfère toujours laisser à l'autre l'honneur de faire le travail, mais surtout parfois aussi la bêtise de faire le travail. Donc, mathématiquement, c'est vite fait. Hein. Il y a 20 équipes qui ne sont pas représentées devant. Oui, mais il y en a qui sont plus disposés que d'autres ou qui devraient plus être disposés que d'autres à faire le travail. Je pense à l'équipe de Quick-Step, qui a quand même Bonen très rapide, Bettini relativement rapide. Je pense à la T-Mobile, qui est une grosse formation qui s'est présentée ici, comme on l'a dit tout à l'heure, avec 8 vainqueurs potentiels. Ces coureurs-là devraient rouler maintenant. Et où est De Volder ? Sur le secteur pavé de la... Ah, il est là. Attention, hein, c'est un secteur pavé toujours très important stratégiquement dans ce genre de course ici. Le secteur pavé de la Warenstraat, dans la localité de Kaster. Et on parle toujours des bosses, mais là aussi on peut faire la différence. Breulans, les pavés, les côtes, les bosses. Dès qu'il y a la moindre difficulté, Breulans, il est là, il s'y engouffre et il essaie de tirer un profit maximum des difficultés naturelles. Ivanov tout à fait sur la droite de l'écran. Van Bonne est revenu aussi fort aux avant-postes. Musset est bien placé également. Van Petegem est là. Bonnen est là aussi. Et Ivanov qui mène pour le moment le rythme. Chacun essaie de trouver la meilleure trajectoire sur ce difficile secteur. En légère descente aussi sur la fin. Oui, on ne peut pas encore tirer d'enseignement, Gérard, mais les Belges sont évidemment sur le terrain qu'ils connaissent, qu'ils aiment. Deux des trois hommes de tête viennent de chez nous. Bien sûr, il y a Musset, Van Petegem, Bonen et quelques autres. Est-ce qu'on peut dire de manière générale que ceux qu'on attend côté belge sont prêts pour le Tour des Flandres, sur ce que vous avez vu jusque maintenant, compte tenu du fait qu'après secteur pavé, il ne restera plus que le Tillembert? Tout à fait, on a vu Musset se tester, on a vu Van Petegem très à l'aise. Breulans n'est pas vraiment un coureur de pavé, mais je vois qu'il fait le forcing ici et qu'il peut se débrouiller un peu sur tous les terrains. Ce sont du côté belge, je pense, les principaux. Ils sont là et ils doivent pouvoir se défendre dimanche prochain. Évidemment, il faut passer une bonne semaine. L'aspect préparation sur les rails de tram aussi, ouais, de exactement de la panne, voilà, hein, l'aspect préparation au jour de la panne comporte aussi toujours le même danger, le danger accident de santé aussi. Si les conditions ne sont pas trop bonnes, ça peut changer beaucoup de choses. Sur ce que vous avez vu jusque maintenant, Gérard, quels sont les rivaux principaux pour les coureurs belges dimanche? Frère Bogert certainement, Bettini qui appartient à une équipe belge. On voit du bon Baldato ici. J'avais l'impression tout à l'heure que si ce groupe était arrivé, Baldato était très bien, il faisait une bonne part de travail très souplement.
Bartoli est devant aussi. Et puis, il ne faut pas oublier peut-être, mais il n'est pas là. Vandenbroek doit être bien dans des conditions comme celle-ci aussi. Donc, c'est Pierry qui se trouve là juste derrière, j'ai l'impression, avec un problème mécanique. Oui, donc si c'est Pierry, ne pas négliger non plus, parce qu'il est dans le bon groupe. Pierry et Balducci, qui sont les deux coureurs les plus en forme en ce moment. Et c'est Bonnen. Décidément, Bonnen n'a pas beaucoup de chance. Important, juste sur la fin du secteur pavé. Tom Bonnen, qu'est-ce qu'il faut faire chez Quick-Step? On n'a plus personne de toute façon pour l'aider, hein, puisque c'est Musset et Bettini qui sont devant. Il n'y a plus un Hulsmans ou un Kretzkens qui puisse être là à ce stade-ci de la course. Donc Bonnen doit y aller en homme fort, tout seul. Il est costaud, on le sait, la façon dont il revient d'ailleurs sur Amont. Mais c'est évident, ce sont des efforts que, même en cas d'arrivée au sprint tout à l'heure, il risque de payer par rapport à Freire, par exemple. Il faut voir dans quelles conditions il va pouvoir rentrer ici. C'est aussi intéressant de voir ça. Les spectateurs n'ont pas l'occasion souvent de voir cela en dehors de Paris-Roubaix. La course qui se passe derrière, entre les voitures, véritablement. Une course parfois très étonnante. Très étonnante, très, très dangereuse, parce que les coureurs doivent chercher son chemin entre les voitures. Et quand c'est sur un tronçon pavé, avec les trous que l'on a vus dans la route, c'est pas toujours simple de sauter d'un côté à l'autre de la route. Alors, il faut évidemment pas que l'homme qui conduit la voiture devant donne le moindre coup de frein. Il est Van der Schuren qui est dans la voiture. Et Weseman qui se trouve là. Étonnant. Oui, en difficulté. Est-ce qu'il y a un problème? Weseman est laissé sur place avec notamment par un coureur qui lui est en principe inférieur. C'était Marcus Ljungqvist que voici. J'ai l'impression que les deux hommes peuvent se dire on peut aller jusqu'à l'arrivée comme ça. Ça nous convient. Ah, c'est un excellent abri maintenant, évidemment. Bonnen fait une bonne affaire dans la mesure où Amont avait crevé avec lui et le directeur sportif l'attend. Mais pendant ce temps-là, l'écart a grandi, on a près de 25 secondes maintenant. Voilà. Au pied du Tiegenberg pratiquement. Pas encore. On va descendre, on va voir le fameux champignon. Qui est notre point de repère visuel sur la droite pour les coureurs. Et le Tiegenberg, c'est vrai, il n'y a pas de pavé, c'est du macadam et ça monte de manière assez régulière, mais sans que ce soit loin de là la côte la plus difficile. C'est la dernière. Et c'est Hans de Klerk qui fait le travail. Hans de Klerk avec en deuxième position. Voilà le fameux champignon qui nous indique que les coureurs abordent la dernière difficulté. En tout cas, on a là, ici une triple confirmation. Breuland, c'est très fort. Il est vraiment prêt pour le Tour des Flandres, avec une équipe, vous l'avez dit, bien solide autour de lui. Bogert, dans la classique, sans doute qu'il maîtrise le moins d'un point de vue connaissance du parcours, est très très solide aussi. Et De Volder, la révélation l'année dernière, devient cette année la confirmation. Et à 15 km de l'arrivée, il faut maintenant s'organiser à l'arrière, puisqu'il y a quand même 25 secondes. Et c'est manifestement, depuis un moment, l'équipe Lotto-Domo qui prend les choses en main. Ça veut donc dire que McEwen est dans le groupe, non? Vraisemblablement. Oui. Et on pourrait avoir un Grand Prix de l'E3 avec Freire contre Bonnen et McEwen. Pourquoi pas? Oui, et voilà, autres. Bonnen qui rentre, justement. Très important de rentrer juste maintenant. Weseman aussi, qui est ramené par Nardello, juste devant. Et attention, Amond qui a aussi une bonne pointe de vitesse. Breuland s'y accélère, c'est la dernière fois. Il reste encore une bonne centaine de mètres et puis il n'y aura plus d'occasion pour Breuland de trouver un terrain comme il en aime. Voilà, c'est fini. On est au-dessus, on bascule, ça reste des petites routes. Attaque de Matane. Attaque de Matane sur la fin de la montée. Avec dans la roue. Est-ce que c'est déjà Bonnen? Ce serait assez impressionnant parce qu'on l'a vu revenir il y a quelques instants. Non, c'est Musée. Pas de problème, Musée.
et Van Petegem et Peers entre Museum et Van Petegem. Donc Matan, Museum, Peers, Van Petegem. Ça promet quand même pour le Tour des Flandres. Hein. Je crois qu'on va vraiment avoir une course, une fois encore, superbe. Et très ouverte en tout cas, parce qu'on n'a pas l'impression sur ce qu'on a vu non plus qu'il y ait un homme qui soit nettement au-dessus du lot. Non, personne ne domine. En tout cas, ne montre pas, parce qu'on cache peut-être son mais ne le montre pas, connaissant Peter Van Petegem. Il n'a peut-être pas envie de montrer voilà. Ici toute sa puissance. Et dans le coup, il a l'air très à l'aise, très détendu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais il n'en a pas fait de trop. Musée avait peut-être plus besoin de faire ce qu'il a fait dans le final que Van Petegem à ce stade-ci. Vraisemblablement, pour ne serait-ce que de se rassurer lui-même. Et c'est toujours la même chose avec Musée. En se rassurant lui-même, il inquiète les autres. Hein. C'est une tactique. Un petit peu. Hein. Musée, Matan. Il y a un petit groupe quand même qui s'est formé. 3, 6, 9, il y a 12 coureurs. Et l'écart diminue régulièrement. Maintenant 17 secondes. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas non plus la composition complète du groupe qui se trouve derrière. Un groupe aussi important, mais ne l'oublions pas, ce stade-ci de la course, rien n'est dit. Avec 13 km sans difficulté majeure jusqu'à l'arrivée, Gérard Bullens, on peut envisager que les trois aillent au bout, on peut envisager un sprint massif, ou on peut encore envisager la troisième solution, un regroupement et une fin terriblement tactique avec des coureurs qui profitent de la rivalité, soit entre les leaders, soit entre les sprinters. Tout est possible, c'est une finale très ouverte. On va avoir dans ces 13 derniers kilomètres, vraisemblablement, sur les 70 candidats, s'il y en a 70... Il y en a peut-être 15 ou 20 qui rêvent à la victoire. 15 ou 20 qui sont capables de gagner, voilà. Vraisemblablement. Oui, être rêvé c'est une chose, mais être capable de le faire, c'en est encore une autre, en effet. Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit comme les positions se resserrent. Il y a évidemment l'effet téléobjectif qui joue, mais on sent que derrière le groupe, il y a encore des... Faut pas l'oublier celui-là au sprint non plus, hein. Kirsipou. Au sprint, passe toutes les bosses ouais, avec ouais. Les meilleurs, hein. Est-ce que quelque part, Kirsipou, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, Gérard, n'est pas de tous les sprinters purs, celui qui a le mieux franchi les bosses ? Je pense que par rapport à ce qu'on a vu de lui certaines autres années, c'est lui qui a fait les meilleurs progrès jusqu'à présent. Donc danger certainement dans le cadre du programme à venir. Donc parmi les hommes les plus véloces, à côté de Freire, certainement de Bonen et de McEwen, on doit ajouter Kirsipou. Bartoli qui essaie de boucher le trou. Van Bon, Matan, Van Petegem, Museu. Van Bon qui reste aussi un des hommes les plus précieux pour Van Petegem dans cette course. Voilà Lewick. Voici Vese. Mais Bartoli a pu réussir à revenir, c'est bien. Mais c'est Ivanov hein, qui se trouve juste devant Bartoli. Il faut bien se faire à ce maillot. Lui qu'on a vu avec le maillot face à Bortolo pendant un moment. C'est un coureur qui, dans une finale comme celle-ci, n'a jamais dit son dernier mot. Oui, Ivanov qui a gagné l'épreuve ici il y a 4 ans. En fait, ce n'est pas tout à fait juste quand dans les palmarès, on dit qu'il y a eu une victoire russe. En fait, il y en a eu deux parce que Tchmil, en 94, avait la licence russe lorsqu'il a gagné ici. Enfin, c'est un détail. La composition donc de ce groupe de poursuite, Peers, Kirsipou, Van Petegem, Van Bon. Il semble qu'il y ait aussi Bortolami, Van Nuffel, qui est là avec le numéro 135. C'est bien, il confirme qu'il était bien aussi à Wargame. Museu, avec Zanini,
Il y a aussi Matan et Ivanov. Joli groupe. Alors vous voyez, on ne se contente pas d'écouter. Et quand on est musée, on peut aussi donner son avis. Hein, oui. Avec son ami Peters, décidément. Oui, je rectifie, ce n'est pas Bortola, mais évidemment, c'est Bartoli. Van Uffel, Peers. Fait une très bonne course aussi, Peers. Il est prêt pour le Tour des Flandres. C'est important pour lui aussi ce qui va se passer, Chris Peers. Beaucoup travaillé aussi avec le docteur, avec le kiné. Mascalc, Lieven Mascalc. C'est toujours une différence, un peu moins de force dans une de ses deux jambes. Il essaie de compenser ça par des exercices. Zanini qui peut être très utile aussi à Musset. Bon, d'ailleurs que ce soit le contraire, parce que Zanini a une belle pointe de vitesse aussi. Très très gros travail de Brûle. Hein, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la cohésion de ce groupe, c'est qu'on ne peut pas dire parmi les trois qu'il y en ait un qui est nettement au-dessus du lot au sprint. En principe, au sprint, c'est Boger qui gagne. Brennan dit toujours, moi, toujours un peu le. Raisonne un petit peu comme Axel Merckx. Hein, il dit dans un sprint à deux, je suis toujours troisième. On l'a vu à plusieurs reprises, effectivement. Et c'est désolant pour un coureur comme cela. Il a deux points très très négatifs. Il ne sait absolument pas descendre. On s'en est rendu compte encore à Paris-Nice. Et quand on grimpe comme lui, on prend un peu d'avance, mais on le perd dans la descente. Il roule et dans la descente, il perd tout l'avantage. Ici au sprint, il sera barré. Important cette image-ci. Est-ce qu'on joue la carte de Fraere davantage que Bogert là ? Avec Zenches en deuxième position. Hors la roue de Wauters. Hulsmann s'est remonté en quatrième position. De Klerk cinquième. Ah là maintenant ce sont des coureurs qui roulent pour les sprinters. Le peloton roule pour les sprinters maintenant. Alors qu'il y a un, voilà. Vous voyez, le groupe intercalé va être repris. Et on va avoir à 20 secondes, grosso modo, un peloton très important. Et ça c'est mauvais quand même pour les trois hommes de tête. Hein. Étant entendu qu'il reste 8 km, si l'organisation reste la même, et on ne voit aucune raison pour laquelle elle ne le resterait pas, ça va devenir très difficile pour les hommes de tête. Et le jury des commissaires informe que devront se soumettre au contrôle antidopage le vainqueur et les numéros de Weinsteins, de O'Grady, de Bartoli et de Maury. Voilà, ça vous savez tout. 18 secondes, 8 km. Alors on va voir si l'attitude de Wauters et de Zenches continue à être la même une fois que ce groupe est repris. Auquel cas, on pourrait dire que Fraere a vraiment dit il faut y aller. Attaque de Van Peteghem. Pas mal, avec Kirksipou dans la roue. Lewick, et c'est Zanini qui se trouve juste derrière. Qu'est-ce qu'il fait, la Van Peteghem, sur ce coup-ci ? Un test. Selon moi, et sans doute aussi répondre à la demande de l'équipe Lotto qui veut gagner une course. Mais je pense que c'est un test, on voit vraiment, il ne cherche pas le relais. C'est juste à la sortie du virage, petit mot à Kirksipou, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on essaye ? Allez, je relance, on y va à deux. C'est à peu près ça, hein ? Il y a beaucoup d'amis, Kirksipou. Oui, des bons amis. Donc Van Peteghem, Kirksipou, Lewick repris. Trois quick step d'Avitamon aux avant-postes. Musse Bonen et je pense Hulsmans. Évidemment, la fin de ce Grand Prix de l'E3 n'est pas favorable aux trois hommes de tête. Et les trois hommes de tête savent, s'ils veulent aller au bout, ils doivent malheureusement moins compter sur eux-mêmes que sur les autres maintenant. Il faut le dire comme ça, les routes sont assez... Bel nu 0900 1771 of kijk op okenes.nl.